Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous, mon Dieu vous êtes nombreux, c'est de la folie, oh c'est de la folie, bonsoir à tous, je suis pas tout seul ce soir, parce que ce soir c'est un grand jour, on voit sa petite tête, il est mignon, oh là là, bienvenue à toi Jérém, bienvenue, pourquoi je dis bienvenue, ça fait deux jours qu'il est déjà là en train de squatter, bonsoir à tous, salut Spartacus. J'ai vu qu'il y a pas mal de modos aussi, bonsoir. Ça va être difficile de donner tous vos pseudos, vos noms ce soir. Ouh, aïe, 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 ça fait longtemps, que j'ai pas vu autant de monde sur le live. C'est cool. Coucou à tous. Vous avez compris, hein, c'est le live qui revient enfin. Putain, on est excité comme pas possible. Du coup, oui, Jérémy est présent. Pour un live comme ça, j'ai besoin d'un technicien. C'est pour ça que... D'ailleurs, j'ai eu un petit retard. J'ai bugué, les gars. J'ai eu un souci, comme d'habitude, pour pas manquer. Du coup, non, Jérémy est pas là pour technicien, même s'il va m'aider pour la technique modération. Même s'il y a d'autres modérateurs, Jérémy est là derrière moi au cas où. Mais il est là depuis deux jours parce qu'on a fait une petite vidéo dernièrement sur un petit cadeau que j'ai reçu avant Noël, qui est disponible sur ma chaîne. C'est sorti ce matin si vous êtes curieux. Oh, putain, le chat, quand je le vois là. Oh là là. Il y a 900 viewers, quoi. Vous êtes nombreux, c'est de la folie. Aïe, 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 aïe. Du coup, les amis... Attendez. Regardez-moi ça. Le live est revenu. Putain, je suis excité, c'est de la folie. C'est trop bien. Regardez, il y a l'argent au-dessus. Moi, je suis sans emploi, je suis chômeur aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, mon boulot va revenir. En fait, pour tout vous dire, avant tout, je tiens quand même à remercier, avant que je parte sur d'autres délires sur le jeu, je tiens à remercier... les devs qui ont fait un travail de malade mental depuis plusieurs mois, j'ai l'impression que ça fait plus d'un an que le serveur est en dev. Mais merci à eux, je donnerai pas le nom volontairement pour les laisser tranquilles, pour pas que des gens puissent les emmerder. C'est le message que j'ai reçu d'un des devs. Merci Flo, enfin. Merci Flo, merci beaucoup. Merci aussi à tous les membres de la Sedoge qui ont participé, qui ont aidé au dev et qui depuis plus de deux semaines qui sont en train de faire tous les tests, les crash tests et tout ça. Bref, il y a eu un boulot monstre pour qu'on puisse enfin jouer et surtout avant Noël. Donc ça c'est aussi un beau cadeau pour les fêtes de Noël. Bref, Gitan Romain, merci le life enfin. Merci à toi Gitan. Ça c'est bizarre de t'appeler Gitan, je sais pas, je t'appelle Gitan, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oh là là. Oui, une autre chose. J'ai pas participé moi aussi au. Oh putain. Spartacus. Coucou, ça va? Ce soir, c'est quoi le scénar à chaque PLS? Jérémy, je t'aime. Mais justement. Allez, moi aussi, je t'aime bien. Il n'y a pas de scénar. On est sur le serveur live. Donc, du coup, c'est que de l'improvisation là. Il va se passer certainement des choses de dingue. J'espère pas trop tout de suite. Quoique, on sait jamais en fait. On sait jamais. Mais je pense qu'on va passer une bonne soirée. Par contre, dites-moi avant si le son est bon, si vous m'entendez bien, si le son du jeu est pas trop fort. Et n'hésitez pas, dès qu'il y a un bug ou quoi que ce soit, prévenez-moi sur le chat. Moi, j'essaie de vous lire en même temps, j'ai le chat là. Mais Jérém va me donner les informations importantes au cas où je les vois pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'allais dire un truc avant que je commence à jouer pour de vrai. J'ai pas participé volontairement avec les membres de la communauté au crash test et faire trouver tous les bugs du serveur parce que je voulais découvrir en même temps que vous. Voilà, j'ai juste créé tout à l'heure mon personnage, rien de plus. Et je sais que maintenant que je viens d'arriver dans la ville, là on est à l'aéroport, c'est pas pour rien, on vient d'arriver. En fait, il faut se dire une chose, c'est comme si on venait d'arriver dans une nouvelle ville. Tout ce qui s'est passé avant, à part MZ Garage bien évidemment, c'est en fait ça va être que du nouveau. Vous allez découvrir des choses en même temps que moi. Et les personnages que vous allez voir aujourd'hui,
Donc les joueurs, je les connais pas, à part les gars qui travaillent pour moi chez MZ Garage. Voilà, je tenais à l'expliquer avant de commencer, c'est important. Oui, t'entends, j'ai dit une bêtise? Non. Ah. T'es pas whitelisté MZ Garage? Je suis pas whitelisté MZ Garage? Bah non, t'es sans emploi. Ah oui, parce que je suis pas allé au... Bruno, il t'a dit. T'as dit, Bruno, si tu veux pas quitter, c'est parce qu'on est obligé de la... Ah oui, oui, aller au... Aller au... Tu t'en souviens? À la caserne? Ouais. Ouais, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète. Je gère tout ça. C'est normal. Allez, à plus tard. Ouais, à toutes. Bon, bah du coup, vous avez entendu... Salut, Formica. Vous avez entendu Tonton qui, lui, va gérer aussi la modération. Il est pas chez lui, du coup, il peut pas jouer ce soir, malheureusement. D'ailleurs, ça tombe bien qu'ils disent ça parce que dans la description, vous avez accès aux copains qui sont aussi en live. Je sais que Charles, nous aussi, ils sont en live. Il y a peut-être Nico, si je dis pas de bêtises. Bref, d'autres membres sont en live aussi, si vous êtes curieux d'aller voir. Et peut-être qu'on va se croiser en jeu, ce serait juste génial. Bref, parlons. Je vais arrêter de parler et je vais découvrir des trucs en même temps que vous. Donc là, j'ai toujours mon téléphone portable, ça c'est cool. Là, faut que j'aille passer mon permis de conduire, sinon je vais pas pouvoir. Prendre de bagnole. Spartacus, la vidéo avec le drone est bien à refaire. Merci Spart. Bon, on s'est vraiment éclaté avec GM. J'ai fait le montage. On a passé deux jours à tourner et on a fait le montage chez moi hier soir pour la publier aujourd'hui ce matin. Merci à toi Spart, en tout cas ça fait plaisir. J'ai appelé un. Oh, c'est bizarre de revoir ça. J'ai appelé. Du coup, dépanneur. Les gens pourront m'appeler directement ici. Voiselle News, avocat, sans trans. Centrans, je rappelle, c'est une société qui permet de faire la circulation quand des accidents ou quand des problèmes sur la voie publique. Sur la voie publique ? Ouais, sur la voie publique. Merci. Merci, technicien. Du coup, je vais appeler un taxi. Vous avez appelé un taxi. Ou un Uber. J'espère qu'il y a des taxis à Uber. Ça serait mieux. Je vais marcher à pied. Ah, c'est pas loin, mais à pied. Ah oui, parce que c'est vrai que je vous montre la map quand même, c'est un petit peu changé. Hein. Enfin le live, mais oui, enfin. Oh, JP, merci pour les 1€, JP. Bon retour à Los Santos, Matt. J'espère que les nouveaux patrons de MZ Garage va payer les factures de Amazon News. Tu rêves, JP. Merci à toi, JP. Rêve. Je te ferai un petit prix, JP. Oh, c'est HRP ce qu'on fait, là. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Par contre, j'entends vachement le... Juste à baisser le son de... Ah! Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, monsieur. C'est vous pour l'Uber? Ah oui, c'est moi qui viens d'appeler l'Uber, ouais. Ouais, très bien monté. Allez. Ah, je m'attendais pas du tout à ce genre de véhicule. Je monte devant, monsieur, ou derrière? Bah, comme vous souhaitez, il y a un deuxième client qu'on doit aller chercher, donc... Ah, je vais monter derrière, vous embêtez pas. Elle est super basse, sa caisse. Ah, un peu d'équilibre pour tout. Ah, voilà. Allez-y. Ah, t'as eu un Uber ou pas? Ouais, j'ai un Uber, tonton. Ok, nickel, c'est bon. Sinon, t'as un truc de location à côté de la route. T'as un peu le gauche. Ouais, j'ai pas le permis aussi. Pas de soucis. C'est un 550, pas de moi. Allez, bisous. Bisous. Elle est vachement basse, votre voiture. Tu la bagnole, regarde. Ah, c'est quoi cette caisse, mec? Elle est moche! Ah, du coup, vous allez chercher un autre client, c'est ça? Hein non, c'est bien ça, moi. Parce que je vous ai pas dit où je voulais aller, en fait. Bon, après, on verra. Oh, pas de soucis. Vous allez pas me violer, quoi, parce que c'est plus ça. C'est une... Du coup, il a pas fait des kilométrages, c'est gratos, mon gars. Ah ouais? Vous facturez pas jusqu'à votre client là quand même, monsieur. On facture un trajet qu'on fait. Bah vous allez m'emmener jusqu'à notre client, c'est bizarre. Jérémy a les mêmes délires que moi et toi, Matt, on est dans la même famille. Merci beaucoup Spartacus, ça le fout. Hein. Ça commence. Merci à toi. Oui, ça commence. Aïe aïe aïe. Ça a été tellement plaisir de revoir du live. Hein. J'ai 3000$ sur moi, heureusement, putain. Si tu factures pas 2000$ avec tous les kilométrages qu'il te fait là, à tous les kilomètres qu'il te fait. Et c'est, vous connaissez vos tarifs parce que là, je sais pas jusqu'où vous allez, mais. Je voulais juste aller à l'auto-école là, m'emmener loin. Hein.
Ah ouais, mais je vais juste chercher le deuxième client, mais après si vous voulez pas, il fallait me le dire. Hein. Bah non, c'est trop tard maintenant, mais... Bah évitez de me facturer jusqu'à votre client, quoi. Facturez-moi non, de... Non, vous inquiétez pas. Ah, c'est gentil, monsieur. Merci beaucoup. On va juste le chercher, il est au-dessus, il est sur au-dessus de l'hôtel, en fait. Ah, de l'aérodrome. Ok, pas de soucis. Non, non, mais je... Vous devez aller où, vous avez dit Faut que j'aille à l'auto-école. Ouais, ça marche. Bah tant pis. Ah, vous inquiétez pas, c'est à côté en plus. Ça va pas vous coûter très cher. Bon bah, j'espère pas, je sais pas, je connais pas vos tarifs. Bon, non, ça a coûté 100 dollars. 100 dollars Plus ou moins. C'est pas donné 100 dollars, monsieur. Bah écoutez, monsieur, faut rembourser la voiture. Hein. Bah, elle a pas dû vous coûter cher votre caisse quand même, enfin, j'espère pas. Vous insinuez qu'elle est moche? Ah, je dirais pas qu'elle est moche, mais elle a un look bizarre, quoi. Elle est pas moche. Ah, je cherchais quelque chose qui ressemblait à une RS6, en fait. Ah, une RS6. Pardon. Une RS6, ça? Ça ressemble vachement pas à une RS6. Putain, bonsoir à tous, vous êtes nombreux ce soir, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, on va juste prendre le client aussi, mais je vous dépose en premier. C'était cool, là, il y a des gens. C'est gentil, monsieur. C'est compliqué de retrouver la personne. Hein. Ouais. Monsieur. Oula, vous êtes garé. Bonjour. C'est qui pour le Uber? Ah, c'est trop bien. Ah, putain. On va. Ouais, il s'est enfui? Il est parti? Ouais. Bah, écoutez, je vais vous. Ah, bonjour, monsieur. Le voilà. C'est vous? Bonjour monsieur. Allez-y, montez. C'est le taxi, c'est ça? Oh, c'est le Uber. Montez devant. Ah, le Uber, merci. Vous devez aller où? Bonjour monsieur. Je vais à l'école de conduite. Ah! Pour passer mon permis. Je viens d'arriver. Bah, je crois qu'on a eu le. On a eu une. Parce que moi aussi, je vais aussi à l'école de conduite, c'est pour ça, c'est bizarre. Possible 100 likes avant la fin pour bien commencer le live. Ah ben, et à chaque place dans le chat. La ville a repris pas mal de monde là, donc du coup. Merci Spartacus. Ils ont ouvert aux étrangers, alors du coup, moi je suis venu, hein. J'ai profité. Ouais, pareil, pareil. Salut à tous. Salut Sylvain. Salut Foco Andy. On l'attendait ce live, on l'attendait tellement tous. C'est dingue. Vous êtes plus de 1300 aussi à être présents ce soir. On vient à peine de commencer. On était tellement tous impatients, c'est ouf. C'est dingue, une aussi grosse envie pour un serveur, c'est génial. Voilà, monsieur. Eh ben merci beaucoup. Je vous dois combien du coup? Allez, on va faire 50 dollars pour le... chacun. 50 dollars, bah c'est très... Ouais, c'est... Ouais, pas de petit, c'est convenable. Vous allez voir les nouveautés du serveur. C'est une des nouveautés qu'il y a. Une des centaines des nouveautés qu'on peut avoir enfin sur le serveur Sadage. Du coup, je vous donne ça comment, monsieur? Alors, je vais vous le facturer. Ah, merci beaucoup. Voilà, c'est ça en fait. Il va me faire une facture. Non, vous devez nous le passer, je pense. Ah bon? Comment est-ce que je fais ça? Ah, vous découvrez aussi voilà, votre métier. Voilà, donc vous devez aller dans votre... Dans votre téléphone, aller dans Action et donner de l'argent. Pas votre téléphone, enfin votre téléphone... Merci, monsieur. Ah merde, comment on fait déjà? Ouais, y'a pas de soucis, merci à vous et bonne journée, messieurs. Ah merde. Merci également. Le mec qui découvre le jeu. Ah putain, ah si. Attendez, bougez pas, je m'en occupe. F7, je vais vous donner ça. Action, donner argent. Ah oh, ouais, voilà comment. Je vous dis que je découvre vraiment. Voilà, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Eh bah, c'est moi, merci beaucoup. Hein. Quand je vous dis que je découvre vraiment le jeu, je découvre vraiment quoi. Attendez, bah du coup on va regarder en même temps que vous. On sait plus que toi. Regardez sa carte d'identité. Est-ce que vous voyez tous en haut à gauche? Ouais, c'est bon.
Ouais, alors à droite, non, épaules mat, permis de conduire aucun, profession chômeur, numéro de téléphone et permis port d'armes aucun. On a quoi d'autre? Retirer masque. Non, retirer mettre son masque. Ben là j'en ai pas donc c'est normal. Annuler un appel. Donner de l'argent, on vient de le faire. Donner de l'argent sale. Jeter son arme. Ça c'est bon ça. C'est-à-dire que si on a son arme sur, sur soi, on peut la balancer. Et retour. On a des animations. Donc comme de base. Action métier. Mettre un gilet de sécurité. Enlever le gilet de sécurité. Devenir conducteur Uber. C'est quoi devenir avocat? Mon véhicule. 800 likes, GG maintenant, 1000. Et là on voit la commu. Merci Spark de motiver tout le monde, c'est cool. Là on a la gestion sur le moteur, allumer, éteindre. On a... Pareil sur le, les porte-coffres, portières. Ah, c'est vraiment, vraiment complet. Hein. C'est vraiment cool. Bonjour. Bonjour. Ah, je crois que vous avez été aussi invité pour passer votre permis de conduire. Eh oui. Pour la deuxième fois pour moi. Ah, deuxième. Ah, et moi aussi. Ah, oh, pardon. Ah, c'est si compliqué que ça? Vraiment, on a tendance à rouler trop vite d'après l'examinateur. Oh là là. Bon, bah, bonne chance, messieurs. Vous avez déjà eu, vous? Ah, oups. Je suis parti un peu trop vite. Ah, regardez-moi ça, les gars. Du coup, je passe le permis. C'est qui, quoi? Jusqu'au bout, hein, prudemment. Pour... Ah, rouler prudemment. Hein, quoi? Point jaune prudemment pour obtenir votre permis. Ah, regardez la voiture de l'auto-école. San Andreas Driving School. Student Driver. Oh, c'est hyper stylé. Oh là là. Par contre, ils ont dit qu'il fallait rouler prudemment et rouler pas trop vite. Ouais. C'est 40 mph en ville. Alors, je sais qu'il y a un régulateur de vitesse sur ce genre de véhicule. Et je sais pas du tout comment on s'en sert. Ah! Limiteur. Ah bah c'est ici. Donc là j'ai un autre menu d'action. Donc je peux démarrer le moteur ici, ouvrir les portes. Ah donc c'est pratique ça. Donc là j'ai un limiteur de vitesse. Regarde de l'autre côté. Sauvegarder le véhicule. Donc là. 40 km/h c'est pas mal ça. C'était pas 30. En km/h c'était pas 30. C'est 40 mph donc je sais pas combien. Mais je crois que c'était 30. On va mettre 30 km/h, au moins on est sûr d'avoir peut-être le permis. Allez, souhaitez-moi bonne chance. En fait, c'est un limiteur, du coup, on peut pas dépasser la vitesse normalement. Ah oui, il y a les clignotants aussi à respecter. Oh là là. Oh putain. Allez, go. On passe son permis et après on passe à autre chose. Comme ça, le permis. Ah, oh, c'est une voiture électrique en plus, Toyota là. Comme ça, si j'ai le permis. Je suis tranquille à vie, enfin, normalement, à part si on me le retire, si je me fais choper par la police. Putain, mais t'es sûr que je suis... Oh putain, oh, je suis obligé de me mettre sur le bas-côté. Bref, GG aux 1000 likes. Like dans le chat, je veux 1000 big PLS, bisous. Oh putain, putain mon gars, merci beaucoup Spartacus, sale dingue. Oh là là là. Putain, Spartacus, par contre, si j'ai pas mon permis à cause de toi. Oh là là, merci Spart, c'est le dingue. Putain. Ah, je sens que je vais pas avoir mon permis maintenant. Attends. Allez, je mets les clignotants. Du coup, apparemment, on entend pas beaucoup les sons des autres joueurs. Comment? Le son des autres joueurs, on les entend pas. Ah bon? Ouais. Ah, oh, regarde, il y a une, moto, une voiture école et dehors. J'ai augmenté le son juste après, mais... Oh là là là... Il y a combien de kilomètres? Il y a 2 km à se faire, là. Oh là là. Reprise du live, oui. Big PLS. Merci, les copains. Ça, vous êtes des... Vous êtes énormes. Il avance pas devant. Mais c'en est un qui a pas eu son permis, je pense. Donc, s'il roule à cette vitesse-là... Mais j'ai mis à 30 ou 40 miles le régulateur, je m'en souviens plus. Parce que j'ai l'impression de rouler un peu trop vite là. Attends, c'était dans, dans M. Ah non, c'est bon, c'est 30 km/h.
Non, je peux pas. On les entend bien? Bon bah voilà. C'est parfait. N'hésite pas, Germe, si un souci. Ouais. J'entends ton son, mais pour moi, pas de problème de son. Faut pas gérer les feux rouges non plus. Ouh, il est fou, lui, il est après à gauche. Je vais le suivre. Oh, j'ai cru qu'il y avait un feu là. Ah, en fait, il a bien fait d'aller à gauche. Je pense que ça va plusieurs fois qu'il doit le passer lui. Comment? Ça va faire plusieurs fois qu'il doit le passer lui. Ouais, je pense qu'il connaît le chemin par cœur. Par cœur. C'est énorme. Il y a un feu là. Ah là là, je suis pas sur la bonne voie. Oh merde. Ah, mais comment tu voulais que je me mette à droite? Bon, on va essayer. Tente, c'est bon, ça marche. Merci, Max. Max Clark. Tu as pas activé l'imiteur, Matt. Sérieux? Bah. Limiteur de vitesse. Ah, c'est bon. Là, je viens de le valider. C'est écrit en bas gauche. C'est qui marche à pied, là? Attends, je vais essayer de passer là. Ah, ouh, oh. Ah, une grosse nouveauté aussi. Je viens de m'en rendre compte, là, seulement. Si bon, lui. Je viens de me rendre compte là en le faisant. J'avais mon clignotant à droite et en fait il s'est enlevé automatiquement. Dès que t'as tourné? Ouais, ça c'est génial. Oui. Ça c'est hyper stylé. C'est mieux, hein. Du coup t'auras plus tendance à les mettre. Parce qu'avant, c'était exactement. Chiant. Mais moi non, je peux les mettre sur la manette, mais si je fais ça, ça joue mes phares. Ah, ça change mes phares, c'est ça la peut. Même putain, vous êtes 1647 là. C'est dingue. C'est ouf. Ah par contre j'ai mis mon clignotant. Ah c'est bon. Allez, encore 700 mètres les gars. Est-ce qu'on va l'avoir ce permis? Est-ce qu'on va l'avoir? Attends, je me mets sur la voie de gauche. Est-ce qu'il marche à pied là? Après, il faudra. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas assez d'argent. Il faudra que j'aille à mon entreprise. Ah oui, vous allez découvrir quelque chose. Je suis au courant de quelques trucs. Mais il y a des chances que je découvre des choses encore avec vous. Enfin, c'est loin d'être fini, vous allez me dire. Après, on va aller à l'entreprise. En fait, l'entreprise a changé, les amis, vous allez voir. On a complètement changé de lieu. Parce qu'on est sur une nouvelle ville. Et vous allez voir ça. Je m'attends à une grosse surprise quand même. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas. J'ai hâte de voir ça. Par contre, j'aurais pas de voiture, donc il faudra que j'en rappelle un taxi ou un Uber. Ou un bus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un nouveau métier. Il y a plusieurs métiers qui ont apparu. Il y a des bus. Donc on peut prendre des bus. On pourrait être chauffeur de bus aussi. Mais vu que je gère une entreprise de vu que j'ai une entreprise de... J'ai droit à la gauche, là? Ah, y a un feu. Vu que j'ai une entreprise de dépannage... Et de dépannage, oui. Ce serait con de faire chauffeur de bus. D'ailleurs, je suis chauffeur de... Je suis dépanneur. Souvenez-vous. Mais je suis aussi pompier volontaire. Et ça, c'est une grosse nouveauté. Il y a enfin les pompiers sur le serveur. Et on peut recevoir en fait des appels en renfort en fait. Donc si je suis à mon entreprise, je peux recevoir un appel comme un bip en fait et prendre le départ, enfin rejoindre la caserne, les collègues et partir en intervention. C'est juste là. Normalement j'ai le droit d'aller à droite, hein, même quand le feu est rouge. Attention surprise, Spartak, bisous à toutes et à tous. Et je veux voir le max de gemmes pour Mats et la stage à tout ton permis, tu le rates. Merci Spartacus, mais je crois que t'as... J'ai peur que t'aies raison. Attention. Certificat. Et alors, vous l'avez eu? Pour valider votre permis. Moi, c'est la deuxième fois que je l'ai pas eu, là. Ah bah, je l'ai pas eu non plus, là. J'ai appelé un taxi pour le repasser. Si jamais vous voulez venir avec moi dans le taxi pour le recommencer. Ah ouais, volontiers. Pour pas eu. Ah non. Ouais, moi j'ai un taxi qui arrive là actuellement. Du coup, je vais repartir à l'auto-école. Vous roulez trop vite. Ouais, bonjour monsieur. Oui. Bah, du coup, j'ai pas eu mon permis aussi. Vous prenez un taxi tous ensemble? Bah, moi non plus, je l'ai pas eu.
Bah moi je viens d'appeler un taxi là. Et, ah bah. Et du coup il arrive, au pire on repart ensemble. Bah on est 4, il y aura de la place. Le problème c'est qu'on est un peu limité. À 4 ça va être compliqué, ouais. Bah du coup Ah vous embêtez pas, je vais en appeler un deuxième. Bon c'est gentil, bonne journée messieurs, bon courage hein. Ah bon aussi. Courage, merci vous aussi. Oui c'est sûr. Par contre faut que je pense à ma bouffe moi. Aïe 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 aïe. Il faut que j'aille acheter à bouffer. Putain j'ai même pas eu le permis. T'as vu un peu comment c'est chaud. Oh mais c'est dur. Mais pourtant t'étais bah après apparemment t'avais pas le limitateur de vitesse activé mais. Oh rip. Du coup je voulais regarder la map tout à l'heure, j'ai pas. J'ai zappé. Faut que j'aille acheter à manger à boire mais c'est super perpète. On va être obligé d'aller à pied hein. À pied ou s'il n'y a pas un bus, elles sont où les bus. Bah les bus. Si je pourrais te les retrouver. Oh ils ont un taxi les enfoirés. Oh là 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 le bol. Regarde les. Je vais monter avec eux. Oh non. Bref. Je vais essayer d'appeler un taxi quand même. J'ai la flemme. À pied, bah ça dépend, ça fait loin, je sais pas. Bah regarde où c'est, à pied, c'est tout là-bas. J'ai pas marché comme un con. Non. Tu sais, les bus, je sais pas où ils vont. Je sais pas s'il y en a et je sais pas où est-ce qu'ils vont. J'ai plus le. French. 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 Permercus, ok. Excusez-moi de vous déranger. Ah, pardon. Oui. Ouais, monsieur le taxi. Vous savez si vous avez d'autres collègues qui travaillent aujourd'hui Disons que je suis le seul aujourd'hui taxi okay. Man. Mais là, le voyez que mon corps est complètement. Oui, je vois ça. Bon, y a pas de soucis. C'est pas grave, je vais. Sauf si, vous plaisez un peu plus cher la course. La tête, c'est pas roulé. Ah sinon on peut pas le mettre dans le coffre monsieur. Au pire on vous met dans le coffre c'est ça. Oh non non vous embêtez pas, je vais marcher, vous inquiétez pas. Merci quand même. Ah ok, bonne journée. Alors, merci. Mec il a pris dessus, je vais marcher. Sinon, il peut le voilà. Oh putain, oh il sature lui. Bon j'ai marché, comme un con. Oh l'horreur. Hey, tu retournes au permis là. Tu retournes au permis là. Bah faut que je repasse mon permis. Tu veux que je fasse comment après? Ah, je sais pas, oui, mais de toute façon, t'as pas choisi. Ah, bah attends, j'ai peut-être une idée. Mais fais gaffe à ta bouffe, mec. Bah, ouais, c'est pour ça. Ici, c'est quoi? Regarde! Ah, voilà! Je peux louer un vélo? Ou un scooter? Bah, voilà. 10$! Eh, bah, voilà! On tira pas à pied! Pourquoi chercher compliqué? Même les mecs, ils auraient pu prendre un. Ouais, bah c'est quoi, ça dépend le coût d'un taxi, mais si c'est 50$, tu perds. Toi, tu te fais. Bah ouais, c'est vachement scooter, rentable. Ça se fait moins. Par contre, faut pas que je me fasse arrêter par. Bah t'as vraiment un scooter, non? T'as pas vraiment un scooter? Eh, du coup, j'ai loué un scooter! Ah bah. Ouais, mais vous avez tout à fait raison, monsieur, c'est rouge! Oh merde! C'est rouge! Ah je m'en fous, moi. Je suis un mec comme ça, là. J'ai pas le temps là. Faut que j'aille absolument acheter à manger. Faut que j'aille acheter à manger. Aïe aïe aïe. Oui le serveur est ouvert. On est sur le serveur live, enfin. C'est énorme. C'est énorme. Et là on commence dur, il faut recommencer à zéro, il faut passer le permis, tout ça, c'est dur. Et c'est le permis qui est dur surtout. Alors, comment ça se passe là-dedans? Bonjour. Oh la vache, il y a quand même nettement plus de choses là. Alors, on a les prix aussi. Donc faut savoir que tous les prix du serveur, que ce soit les voitures, les services, la nourriture et j'en passe, ont été faits le plus RP possible. Une cigarette à 1 dollar. 1 euro, ouais 1 dollar, pardon. Une cigarette.
Ouais, c'est peut-être le... Ouais, c'est le chiffre. Ouais, c'est le prix. En quoi que c'est plus cher même. Ouais, c'est même plus cher maintenant. Ou kit de réparation à 15 000 dollars. C'est pas plus mal, 15 000 dollars, comme ça c'est moi qui dépanne. Kit de soins à 15 000, des joints 25 dollars, kit de crochetage. Bonjour. Bonjour. Ah bah tout le monde sait... Ah bah décidément... Ah bah vous êtes tous venus ici en fait. Comme quoi, ça donne ah bah, faim. On a très soif. Ça donne faim et soif de passer sans permis de conduire. Hein. Kit de crochetage. Oh, c'est surtout le stress en fait qui fait ça. Hein. Kit de crochetage. Ah, faut... La petite épicerie de nuit là, elles sont chères les sandwichs. Hein. Je vais acheter une bouteille d'eau. 450 dollars d'eau. Sandwich, ça coûte combien? Ça fait du bien par où ça passe. Je prends des sandwichs. Oh là là, 750. C'est peut-être un peu cher, j'en ai peut-être pris un peu trop. T'as pris combien de sandwichs, mec? J'en ai pris 30. 30 sandwichs? Mais ouais, oui! Bah, bon courage pour le permis, hein. Merci aussi, hein. Bon courage. T'as pris des bouteilles d'eau? Ah. Parce que... ouais, 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 ouais. Il faut, que je... faut absolument que je... Attends, comment on fait déjà? Voilà. Bouteille d'eau. Ah, là, c'est cool aussi, regardez. Je peux en donner et je peux jeter. Je peux donner à quelqu'un. Ça, ça existait pas avant. Ça peut sauver une vie. Si j'ai un pote à proximité, un collègue ou je sais pas quoi... Il peut me donner à boire ou à manger. Hop. Je vais utiliser à manger. Utiliser. Et si je dis pas de bêtises, je peux aussi mettre à boire et à manger. Et des... Oh merde! Ah regardez! Ah, ouais, j'ai la bouteille qui a traversé la main. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, ça aussi, ça n'existait pas en fait. D'avoir directement l'objet en main. Mais si j'ai pas de bêtises, je vais certainement dire une connerie, mais je crois qu'on peut mettre des objets ou à boire ou à manger, ou même de l'argent, dans un coffre. De voiture, même une arme. Imagine que tu planques une arme dans un coffre. Ça, je sais pas. Alors. j'ai dit une connerie. Quand tu bois. Ouais. Quoi, tu finis ta bouteille avant d'en prendre une autre, non? Mais oui, mais je sais, j'ai fait trop vite. Je pense... connard. Je me suis fait violenter. Spartacus fait des litiges là, il fait des conneries. Ah, c'est pas ça. Oh, salaud. Allez, go. Faut absolument qu'on repasse ce permis. Si j'ai pas le permis, je suis fichu. Je me tape la honte. Et là, ça veut dire que les messieurs qu'on a vus juste avant, les messieurs, ça fait déjà 3 fois. Ça va faire 3 fois qu'ils passent le permis. Bah, peut-être même plus, ouais. Voire plus, ouais. Non mais il est vraiment trop compliqué ce permis. Doucement avec la majuscule. Ça tombe bien, j'ai un creux, tu me donnes quoi? Rien du tout. C'est qui avec toi? C'est Jérémy. On le voit à peine, et voilà, on le voit, sa petite tête là. Bonsoir à tous, je suis désolé, je dis pas les messages de tout le monde. Je veux pas vous vexer. Mais avec l'excitation et tout ça, je suis en plein dans le jeu là. Tu faisais tellement nombreux aussi à envoyer des messages. Salut Didi. Mais le feu est tellement lent. Tu sais quoi? Je prends le risque. Je suis un fou. Vas-y. Quoi? Tu peux pas te le faire retirer le permis, tu l'as pas alors. Bah c'est ça. Par contre, j'ai pas foutu une amende. Ouais. C'est peut-être moins drôle. Surtout que t'as déjà plus beaucoup de thunes. Ouais, 1490. Mais j'ai peut-être l'argent sur mon compte bancaire. Spartacus. Jérémy, il joue pas ce soir. Et je vous aime, bise. Merci, Spart. Non, il joue pas. Il joue pas, il joue mal. En fait, il aurait pu jouer parce qu'il a son PC et tout ça. Sauf que j'avais peur qu'il prenne Mako. Vous savez, le bol que j'ai avec mon internet, je pense que ça aurait un petit peu lagué. Ah merde, c'est pas mon feu là. Oh, puis j'avais oublié que c'était aussi lent et qu'il fallait se respecter tous les feux. J'ai oublié. Salut Benjamin. Ah, bah voilà. Ah, j'avais zappé ça aussi. Il y a le plein aussi des véhicules. Hein. Plein d'essence. Ah, j'avais zappé. Ah, ça change hein, depuis le scénario. Ah ouais, ouais. La bouffe, l'essence, tu penses à ces trucs là? C'est ça?
Elle est où la 8? Bah la 8 je l'ai plus du coup. Parce qu'on est comme dans une nouvelle ville, il faut recommencer à zéro. Autant recommencer à zéro même si je garde mon entreprise et mes salariés. Autant recommencer à zéro sur des bonnes bases vu qu'on a un nouveau serveur et des nouveaux scripts et tout ce qui s'ensuit. Tu fais quoi de MZ Garage? Je l'ai toujours l'entreprise, t'inquiète pas. Je vais y retourner après. D'ailleurs faut que j'aille au pôle emploi. Mais je vais y retourner après quand j'aurai mon permis parce que là... ça serait con de conduire mes véhicules sans permis. Je pourrais, hein. Je pourrais, mais si je me fais choper, je suis dans la merde. Tu prends un patron. Surtout en tant que PDG. C'est un peu risqué. Ah ouais, ouais. Puis après, j'ai la police, je vais avoir la police sur le dos. Enfin, mon image, elle va être faite dans la ville, quoi. J'ai pas envie de ça. Merci, Passion. Passion TP. Merci, Florian. Bonne nuit à toi. Est-ce qu'il y en a qui travaillent demain, donc je suis désolé. Je vous fais faire des conneries du coup. Ah, regarde, ils sont là. Shit. Oh shit. Les gars. Oh shit. Et du coup, tu vois, regarde, du coup j'arrive en bien avant eux. T'as payé beaucoup moins cher. Et j'ai payé 10 dollars au lieu de 50. Ou même plus que 50 dollars. C'était un Uber, c'était pas un taxi tout à l'heure. Oui, en plus. Donc il t'a fait payer plus cher le Uber, je pense. Ah, par contre, j'ai toujours la bouteille dans les mains. Ça, regarde-les. Allez, on passe le permis là. Faut absolument qu'on l'ait. Hein. Ouais, du coup, fais gaffe au MPH sur la map. Ouais. C'est 30, je crois, un maximum en ville. 30? Ouais, 30 MPH en ville. Attends, je vais me foutre ici. Alors, attendez, je vais régler ça. 30 km/h? Ça me paraît beaucoup. Bah, de toute façon, c'est le minimum que je peux faire. Bah, oui. Limiteur de vitesse à 30 km/h. Donc là, si t'avances, normalement, c'est limité à 30. Tu peux pas aller au-dessus de 30. Si tu commences à aller au-dessus, arrête. Ouais, mais c'est MPH en dessous. Oh, mais tu me fais peur. Et MPH, c'est combien en. Ouais, tu vas aller trop vite. Ah, je l'ai loupé là. Mais c'est bizarre quand même qu'ils se mettent pas en route, mon truc. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Ne dépasse pas les 25 km/h. Ah, c'est que c'est en maïs. Ah, MPH, ouais. MPH, ouais. Oh, je vais le louper. Une... Oh non. Faut que je fasse les 10 km. Et très très prudent. Ah, tu vois, bah, d'après certains massages, c'est 30 et très très prudent. T'es sérieux, tonton? Ouais, je suis sérieux. Tu viens de louper ton permis. T'es sûr? On est mort de... Bah oui, je suis sûr. On l'a scripté. Ah, ouais, laisse tomber aussi. Mec, tu l'as loupé là du coup? Depuis quand? Bah oui. Envie de conduire, t'as un régulateur. Mec, de vitesse. Bah tu peux avoir des limiteurs de vitesse dans un... dans une bagnole. Non. Oh vas-y, bon, faut que je recommence tout. À la limite, tu traces jusqu'au centre-ville et tu reviens. Hein. Ouais. Ouais. En mode et il faut pas que tu dépasses les 30 mph. Accélère pas comme un bœuf. Mais oui. Pff. Allez, bisous. Bisous. Moi, je veux pas balancer, mais dans le groupe des modos, il y en a un qui a dit que tu vas le passer 6 fois. Les meufs enfoirés. Ah non, faut que je passe vite à autre chose, parce que là, le live va être bizarre. Hein. J'aurais dû changer le titre. Enfin, faut que je change le titre maintenant, en fait. Je vais mettre live. Quoi, je peux mettre? On passe le permis. Ouais, je passe le permis. Oh là là. Je vais essayer de rouler vite, mais pas trop pour pas me faire choper par les flics. Oh, ça va être long cette histoire encore. Ah, je suis blasé, les gars. Je suis blasé là. Je suis en train de me dire qu'il faut que je reprenne un. En plus, j'ai laissé mon scooter là-bas. C'est pas grave. Bah, non, il en aura juste un deuxième. Ah merde. Bertrand Commer. C'est endetté de 20 euros, merci pour toi, merci beaucoup, merci pour toi. Merci Bertrand, merci beaucoup. Sale dingue, moi. Tu fais partie des gros foot des donateurs. Du coup, tu vas certainement passer dans le top donateur dans la description. C'est qui à côté de toi? C'est Jérém. Bonsoir. Jérémy Biz, un membre de la commu Sadoge.
Tu as encore ton appli? Non, j'ai perdu tous mes véhicules de l'ancien life. Parce qu'on est sur de nouvelles bases. On recommence à zéro. Donc tous les personnages que vous allez voir, vous allez certainement reconnaître des voix que vous avez découvert sur l'ancien life. Mais on va faire comme si on se connaissait pas. Et d'ailleurs, on se connaît pas. Voilà, pour être plus RP. On recommence à zéro. Tonton, il dit que tu le passes 4 fois ton permis. Comment? Il a dit 4 fois tu le passes. 4 fois? Ouais. Oh, fais chier. Mec, il y a des paris qui sont lancés là, je suis sûr que ça va. Non, non, pas 4 fois. Non, la 3ème fois ça va être la bonne. Je vais respecter les 30. Ouh, j'ai pas de croiser des flics. Oh. Bah, un autre. Mais tu sais quoi? Non, 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 faut absolument que je passe le permis en fait. J'allais dire une connerie. Et c'est là où je l'ai, t'imagines? Non, c'est foutu. Non, je l'aurais pas. Mais t'es roulé à 80. En titre, je passe mon permis sur le serveur live. C'est ça. C'est ça que j'aurais dû mettre. Bon, allez. C'est toi, on prend un scooter ou un vélo? Ouais, prends un scooter, je pense que ça vaut le même prix à mon avis. Non. Je prends un vélo. Ouais, 5. Ouais, 5. Merci Spartacus. Et t'as raison, j'aurais dû mettre ça comme titre. Du coup, j'ai différents vélos. Non, en vélo, je vais rouler plus vite, je vais aller sur les. Sur les trottoirs. Sur les trottoirs. Prends un vélo de course. Tu vois, celui-là, j'aime bien. La fixie. C'est pas l'infixie, non? Ah, par contre, j'ai toujours la bouteille dans la main. Elle va peut-être se barrer entre temps. Oh, oh, attends, c'est... oh, oh, oh. Vas-y, je... Eh ben... Bertrand... Oh, merci beaucoup, Bertrand. Merci énormément. Bah, quand, Bertrand? Tu me fais des gros dons, mais tu mets pas de message. Tu sais que tu peux écrire, en fait, un petit message personnalisé. Merci à toi. Oh merde, j'ai pas pris le bon chemin. Je suis roulé sur le trottoir, on s'en fout. On va faire comme en France, tiens. C'est pas le bon exemple à prendre, hein, je vous dis direct. Hein. Là, ce que je fais, c'est interdit, c'est pas dans le code de la route. Et d'ailleurs, si je me fais choper par les flics, même si je suis en vélo, je pense qu'ils peuvent me retirer mon permis ou me foutre une amende, ça c'est sûr. Comment? En vélo, foutre une amende. Bah même si ça peut, ils peuvent t'enlever des points, hein, normalement. Sur ton permis de conduire. En France, hein, je parle bien. Ouais, je sais pas là-bas comment ça se passe. Et je crois que je roule plus vite qu'un scooter. Hein. Je roule plus vite que le Piaggio. T'es à 50, mec. Oh le. Mais c'est trop bien, en fait, le vélo. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, 5$. La location. Bon, allez, faut absolument que je laisse ce truc-là. Oh, les feux rouges, ouais, là, c'est bon. Les feux rouges, je vais les respecter dans 10 minutes. Ouais. Dans 10 minutes avec la voiture auto-école. J'ai trop envie de vous montrer l'entreprise MZ Garage, en fait. En plus, j'ai certainement méga... Ah, d'ailleurs, on les a pas croisés. Non, on les a pas croisés, donc ça se trouve, ils sont pas en train de bosser. Regardez-les. Oh, ils ont la honte. Ah, la honte. Aïe, aïe, aïe. Ah, d'ailleurs, heureusement qu'il n'y a pas les permis polo à passer. Hein. Sinon, je serais obligé de le passer pour mes plateaux. Je leur donne pas d'idée. Ouais, c'est vrai, faudrait que je ferme ma gueule. Ouais, c'est trop tard, tonton, il écoute les live. Demain, mec, il va te def ça. Bertrand, merci beaucoup, Bertrand. Je t'aime, voilà, à tout de suite. Ça fait plaisir. C'est réciproque, Bertrand. Oh là là, Spartacus. À tout. Tu battras pas Spartacus à chaque PLS. Merci Spart, t'es dingue. Non mais. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu toutes les couleurs qu'ils ont rajoutées au-dessus là dans le chat. Aïe 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 aïe. C'est pas une bonne grosse liste. Ouais, ils peuvent enlever le point là, ouais, j'ai. En effet. Allez, je recommence. Je me concentre. Tu sais, juste, même avec une marche arrière, à mon avis, je me fais niquer. Si je dépasse les 30. Ah bah oui, oui, oui. Ah bah oui.
Il faut limite rouler, tu sais, genre à 10 km/h pour être sûr. Ouais, c'est ce que je vais faire, je crois. Ou à 15, tu vois. 15, ouais. Oh non, mais déjà que c'est une voiture électrique, mais si je roule à 15, mec. Bah ouais, mais au moins t'es sûr de l'avoir du premier coup. Hein. Ouais, ouais, je vais faire ça. Parce que sinon, ça... enfin, tu vois, si tu vas être à 30, tu vas dépasser 31, ça va te faire un niquer. Putain, tu me stresses, arrête. Non, mais attends, c'est insupportable. C'est comme en France, quoi. Les auto-écoles, elles roulent tellement. Tracteur, ouais. Quoi. Ouais, un petit peu. Putain, je me foutais de la gueule des auto-écoles juste avant, mais en fait, je suis pas mieux. 20. Et j'arrive à. Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'étais bloqué à 20, mais en fait, non, c'est moi qui gère la petite gâchette comme il faut. Test 20 km/h. Je vais faire pas 20 km/h, mais 20 miles par heure en fait. Si, il y a limiteur de vitesse, mais. Mais j'arrive pas j'ai pas réussi à le valider. Et c'est vrai que tonton m'a fait une remarque, on l'utilise pas dans une voiture auto-école. Ça, j'essaie de lire le chat, mais j'ai peur d'appuyer sur la gâchette sans faire exprès. Putain, vous êtes tellement nombreux, je vois un peu le chiffre là-haut à droite, c'est... Bientôt 2000, hein. C'est oufissime. Bientôt les 2000. Ça me rappelle la bonne époque. Ça me rappelle la bonne époque. 26 sous. On va aller à gauche. On va respecter le feu. Nice. On arrive sévère. C'est fou d'être. Non mais. J'ai jamais vu ça d'être autant stressé pour une. Un passage de permis quoi. Même mon permis. Quand j'ai passé mon permis en France. J'étais moins stressé que ça. Vous foutez trop la pression en fait, c'est ça le problème. Je sais que vous êtes pratiquement. Vous êtes 1800 à me regarder. En train de regarder un mec en train de passer son permis de conduire. Sur un jeu vidéo. C'est normal. Tu l'as loupé deux fois en plus. Oh merde, c'est la honte. Non mais c'est rigolo ce qui se passe. Par contre, il y a un temps de chien. Non, il a pas encore plu, mais là on a un brouillard épais. On dirait avant-hier sur Dijon. Ah oui, c'est là, faut que j'aille à droite. Ah, Alianix, bonne question. Du coup, l'ouverture des recrutements serveurs vont... Attends, deux secondes. Du coup, tu feras quoi comme métier dans le life? Merci Vincent Jauvert, merci à toi. Alors, ce que je vais faire, je suis toujours responsable de ma société, MZ Garage, donc dépanneur. Dépanneur, mais pas que. Ma société fait aussi la revente de véhicules et du tuning. De la préparation automobile, et on va avoir plein de possibilités RP, ça va être énorme. Donc dépannage, réparation de véhicules, on peut refaire les peintures, on peut faire plein de trucs. Mais en plus de dépanneur et gestion d'entreprise, vous allez voir, il y a plein de nouveautés pour l'entreprise, c'est juste dingue. Qui vont me faciliter la vie, qui rendent le métier encore plus RP. Et à côté de ça, je suis pompier volontaire, donc je peux recevoir des interventions, des renforts de pompiers. Et je quitte mon service et je vais rejoindre avec ma petite voiture, bah ouais, ou pas si j'ai pas mon permis, avec ma petite voiture la caserne, prendre ma petite tenue et monter dans l'engine avec les collègues. Et ça c'est juste ouf. Là j'ai hâte d'essayer ça. Franchement j'ai hâte. Faut pas que j'oublie de boire et manger, putain. Tu peux remettre le verre en bas. Ah attends, je sais que... Oh merde, oh ouais, c'est bon. Bah je passe à l'orange. Ah j'ai passé au rouge du coup. T'as pas mis tes clignotants. Chut. Dis rien. Attends, on va me mettre à gauche. Là j'ai pas dépassé les 30. Hein. Non. Là je suis bien. T'étais entre 15 et 25 donc ça va. Tu habites où? J'habite à Dijon. Candale. Oh les rapporteurs dans le chat, j'y crois pas. Ah, vous voulez vraiment que je batte les clignotants? Mais de toute façon, à un moment donné, là j'avoue, je respecte pas, c'est pas bien. Mais si je continue comme ça, je sais pertinemment
qu'un de ces quatre, je vais me faire choper par les flics. C'est obligé. Donc à un moment donné, il faudra que je les mette. Mais c'est vrai que c'est peut-être le bon moment quand je quand j'apprends à conduire en fait. Allez, je les mets. D'ailleurs, ce genre de véhicule, voilà, voyez la petite voiture devant là. C'est typiquement ce que je, ce que les flics pourraient avoir en fait. Alors je vais faire gaffe. C'est limite même sûr, mon gars. De quoi? C'est limite même sûr là. Tu crois? Bah, je sais pas, avec l'antenne derrière là. Oh putain, j'ai pas fait gaffe à une antenne. Ah, c'est ça, il faut être malin en fait. On est des voyous de dans l'âme. On sait reconnaître une voiture de flic. Avec l'antenne, y'a moyen. Oh putain, t'as raison, c'est un flic. Oh! C'était un flic. Ouah, il regardait pas derrière lui. Regarde, t'es bon. Tu crois que j'ai réussi à aller. Il roule vraiment pas vite pour que j'arrive à se. Bah, je pense qu'il a dû faire comme toi, tu vois. Il en a plein le cul, je pense, de passer le permis, tu vois. Bon, c'est sûr qu'on a croisé tout à l'heure en vélo? Non, je pense pas, enfin, j'espère pas. Ou sinon, il m'a doublé, hein. Donc, je l'ai rattrapé. Je sais pas. En même temps, c'est vrai qu'on roule vraiment pas vite, hein. Ouais. Putain. Ah, bah, je savais, pourquoi tout ton argent a disparu? Ah, parce qu'on recommence à zéro en fait, les copains. Ouais, et puis surtout que t'as payé le permis là, donc t'es 1004 mecs qui sont envolés. Ah putain, je paye le permis à chaque fois? Ah ouais, tu payes, il te reste plus que 900 balles. Oh merde. J'avais zappé. Mais ouais, mon gars, c'est grave, c'est pas gratos ce permis, hein. Regarde tous ceux qui attendent s'ils ont le permis ou non. J'espère pendant que tu l'as, parce que là, mon gars, t'as plus beaucoup de thunes. Oh, nous on l'a eu. On va voir le dernier. Oh, alors, alors, alors. Wouhou. Pa. Ah putain, je suis content. Ah, j'ai retrouvé mon argent. Mon bel collègue juste derrière, lui il l'a pas eu. Ah merde. Là, il va arriver la prochaine. Comme ça t'es le meilleur. C'est la bonne. Merci Hunter. La prochaine c'est la bonne. Merci beaucoup Hunter. T'as qui le vélo là? C'est à vous? C'est pas moi. Oui oui, c'est à moi. Vous avez commandé un taxi? Quelqu'un a commandé un taxi? Ah, les taxis sont très durs à venir, hein. J'ai déjà appelé oh là là. Vous allez attendre. Bon bah c'est pas grave, je vais... En plus c'est super cher là. Alors que j'ai eu mon permis, ah, ouais, ouais. Je vais aller balancer mes CV à gauche à droite. Ouais, alors, pareil là. Vous avez raison. Bon. Bonne journée, messieurs. Faire pareil. Bonne soirée à vous. J'adore cette... Je sais pas, il y a quelque chose. C'est le life, hein. C'est... Il y a de la vie. Il y a de la vie en fait, c'est juste ça. Par contre j'ai toujours cette bouteille. Ça me perturbe. GG. Le permis c'est 250$, bah, vous voyez, heureusement que vous êtes là parce que je m'en rends même pas compte. J'oublie tout, je vois rien. J'ai juste pensé à boire un coup tout de suite, comme ça c'est fait. Ouais, même peut-être manger un coup. Ouais, je mange aussi. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait une roue avant, en vélo. Oh merde! C'est le réflexe. J'étais en train de boire et manger en même temps. Ah. On va prendre un vélo. Hein. On va prendre un petit vélo, le même que tout à l'heure. Là, on va aller... Vous allez pas comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer après. On va aller à la caserne de pompiers. Comment on y va? Attends, c'est laquelle de caserne? La 7. C'est celle-là. Là, ouais. On va aller à la caserne, tout de suite. Parce qu'on a... Je vais aller voir s'il y a des collègues qui sont déjà là-bas. Comme ça, je vais essayer de prendre mon service. Direct. Bon, tu sais quoi. Oh, putain, attends. Je vais peut-être respecter les feux maintenant que j'ai le permis. J'ai pas envie de leur passer. J'ai pas envie de leur passer, en fait. C'est 1 km en plus, ça se fait. Spartacus. Bah t'es gérable ce soir, pas de truc coquin. Trop tard Spartacus, trop tard. Ça s'est fait hier soir après le. Fais jeter bouteille. Ah, c'est pas con. Je vais essayer. Je suis pas sûr. Il a jeté son arme. Non, il me considère pas comme une arme. Non, je peux pas. Non, on peut pas jeter bouteille. Tu m'as induit en erreur.
Je peux pas, BRK, répondre sur Instagram. Vous êtes trop nombreux à m'avoir envoyé des messages. Ça va paraître con ce que je dis, mais je préfère sur Twitter ou sur un. Ou même sur Discord si tu peux. Les messages sur Instagram, c'est mort, c'est. Je me fais violer constamment. Tous les jours, je me fais violer dessus. Possible à toi. T'es fou. Prends une 50. Une 50 cm cube trop tard. Oh merde, je t'aurais pas dû passer. C'est pas un flic ça. Fais chauffeur de bus. Non, j'ai déjà un boulot. J'ai déjà un boulot. D'ailleurs, on va voir un de mes travails. Enfin, une de mes passions de base. Parce que ça peut pas être mon métier. C'est vrai, je suis en train d'y penser. On peut être payé quand on est pompiers volontaires? Bah, normalement, oui. Je pense. Du moment où tu vas prendre ton service, quand tu vas être bipé. Ouais. Et tu vas prendre ton service dès que tu es bipé, tu vas avoir un petit salaire, je pense. D'accord. Regarde, je double les bagnoles. C'est la vie, ce vélo, mec. C'est trop bien. Est-ce que c'est ma voiture? Alors... Il y a un collègue là. Bonjour. Bonjour. Ah bonjour chef. Bonjour Matt, ça va? Ah bien et vous? Bah oui oui. Bon ça y est, les affaires reprennent? Eh ben on reprend tout doucement le service, ouais ouais ouais, ouais Difficile de rentrer de vacances, hein. Pas simple. Hein. Ouais, mais je comprends, ouais. Des ça va longues vacances. Exactement, plutôt des grosses... J'ai besoin de grosses vacances, là. Ça décale pas trop, chef? Oh, c'est très calme. Ah, ok. On a toujours pas... On a toujours rien fait, ça. Ah bon? Ah, c'est toujours pas décalé depuis ce matin? Ouais, bah là... Bah, t'es allé, voilà, là. Ils sont partis faire un petit footing. Ah. En voilà un. En voilà deux. Ils sont combien? Ah ouais. Bonjour, monsieur. Et le troisième, il est là. Ah, et le troisième, il est là. Ça va, les gars? Ils sont combien, là? C'est énorme. C'est énorme. C'est la vie, ça. Ah, et ça se dit pompier professionnel, ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est les pompiers pro. C'est de... 5 km, là. Oui, oui, d'accord, ah, mais on va leur refaire 10. Ouais, du coup, je... C'est les gars. Bah bien, mais du coup je vais pas peut-être prendre ma garde parce que apparemment ça décale pas trop aujourd'hui, du coup je vais rester en stand-by. D'ailleurs, monsieur Zépaule, si vous pouvez juste appeler quelqu'un de votre garage, on a l'EMS, l'EMS rouge là, qui va plus démarrer tout à l'heure. Ah, et bah ouais, je vais faire ça. Bah, et tu pouvais pas me le dire? Bah, je l'ai dit, mais vous étiez au téléphone, tu vois. D'accord. C'est laquelle qui veut pas démarrer? Je vais aller à mon casier, j'arrive. Sinon, Matt, tu veux que je te fasse faire un nouveau tour de véhicule? Non, t'embête pas, j'ai pas trop. Je repasserai l'occasion. Là, j'ai pas trop le temps, faut que j'aille voir mes gars justement à la boîte et. Je vais aller voir un coup d'œil dans mon casier. Attention. Tu regardes celui-ci. Oh, juste lui, là. Oh putain. Elle commence à fumer par contre. Ah oui, d'accord. Ça... Vous avez de nouveaux véhicules? Ouais. Un petit dernier là. Ah d'accord. Ah ouais, beau gosse. Ouais, je vais appeler des... Oh le rescue. Le rescue, les gars, c'est un véhicule de. Alors comment on pourrait dire ça? De spécialiste. Ah, les spécialités. Tu vas te faire démonter sur un rescue. Sérieux? Même pas les boulons? Bah normalement, c'est le véhicule de spécialité ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Stage aquatique et tout ça. Voilà, il explique. Du coup, c'est réservé aux professionnels pour le moment. Regardez l'intérieur et tout, c'est la folie. Du coup, tu vas te faire démonter parce que c'est pas un rescue? Un hussard. Un hussard, ouais, Ah, attendez, c'est ici que je dois prendre mon boulot. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Enfin, uniquement pour. J'allais dire que pour moi, mais. En fait, ici, c'est le pôle emploi pour tous ceux qui sont pompiers volontaires. MZ Garage. Voilà, je suis enfin waitlisté, MZ Garage. Wouhou! Bref. Faut que je me calme.
Ah non, si je suis content en fait. C'est encore, quoi, t'es pas encore allé. C'est mon casier, prendre votre service. On va pas le prendre ce... Ah, pff. Non, on va pas le prendre. On va pas le prendre ce soir. On va garder un petit peu de mystère pour les prochains lives. Pour vendredi prochain, peut-être. Ah ouais, c'est trop facile. Est-ce que t'as une dépanneur de... disponible chez toi? Je sais pas du tout en fait, chef. Je sais pas du tout. Je vais aller les voir là. Mais je vais à l'entreprise. Et si j'ai pas trop de boulot, je viens direct. Non, tu sais quoi, je vais vous mettre en priorité. Je viens direct, c'est normal. Je vais venir avec un véhicule et je viens réparer tout ça. Je passe à la boîte là. J'ai rendu à l'ambulance la une. Ouais. La une qui est en panne? Okay. Ouais, celle-là. Elle veut pas démarrer. Ah merde. Ah oui, elle fume. Un peu de nourrir de ça. Oh oui. Ouais, en plus. Bon bah, je passe à la boîte et je prends le matos et j'arrive. Ouais, bah ok, ça marche. Non, ça, merci. Hulk. Allez, à tout de suite, les gars. Dans le sol et tout, hein. Ouais. Tu l'as déjà fait en saut, quoi. Bon, les gars, on va faire notre petit footing. Merci, c'est un fixie. Ça a coûté 1200 balles, mais. 204, petit fixie. 205, 206, 207. L'entreprise, ah oui, du coup, l'entreprise a changé, les copains. Voilà. Arrêtez, vous voyez, messieurs, là. Regardez. Vous êtes des pompiers, vous êtes pas des. Elle le pas au bureau là. Elle le go MZ Garage. Voilà. Bah, mais depuis tout à l'heure, je vous attends, vous voyez. Ah là 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 là. Ah, c'est beau. Oh, c'est beau. Tu fais plus le garage ici, si, Limka. T'inquiète pas. Justement, j'y vais là. Je vais vous montrer ça. Puis on a des nouveaux véhicules. Oh là là. Trop de trucs à montrer en fait. Je sais pas, il est quelle heure là? Parce que je crois qu'on va pas avoir le temps de tout montrer. Et les 22h, oh, si ça va. Il vient de se passer déjà une heure. J'ai passé mon permis. Et j'ai passé que mon permis. C'est abusé. Oh, ils accélèrent bien. Là. Oh, attention. On passe à gauche, je cherche pas à comprendre. Oh, oh, merde. Oh, j'ai eu tellement chaud. T'imagines mes collègues qui viennent me chercher là? Oh, par contre, je prends l'autoroute là. En vélo sur la voie rapide. Oh normal. Merde! Oh, faut pas que je me fasse choper par les flics. Ah, bah là, oui. Oh non, si je me fais choper, c'est la honte. Ah, j'ai pas prévu ça. Oh merde. Oh avec non! Avec la petite lampe. J'ai pas pris la bonne sortie. Oh putain. Ça c'est où? C'est là? Ah ouais? Ouais, c'est là. Tonton live. Non, il live pas ce soir, il est encore au boulot, du coup il peut pas. Merci Tommy. Merci à vous qui. Enfin, je sais pas ce que j'allais dire. Merci aux gens qui viennent de s'abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Merci à vous les copains. On va peut-être un peu freiner quand même. Allez, je suis juste à côté. Du coup, ça va surprendre quelques-uns, je pense. Ceux qui ont suivi le live il y a plusieurs mois, l'ancien live, vous allez voir, j'ai une nouvelle entreprise. C'est plus le MZ Garage d'avant. J'ai un nouveau bâtiment. Mais pas piqué des hannetons, comme dirait Mixem. Putain, c'est tellement abusé la marque. Le logo de bière là. Oh là là. La gonzesse, c'est la canette dans la bouche, quoi. C'est tellement obscène. Merci Spartacus. Merci à tous les mecs et meufs qui ont développé le serveur. Il y a pas de meufs. Il y a que des mecs qui ont développé le serveur. Ah oui, punaise, je suis désolé. Alors, je sais plus qui m'a posé la question tout à l'heure. Pour le recrutement. Les recrutements vont s'ouvrir la semaine prochaine. Donc, je répète, il faut être major. C'est la base. Il va bien vite, lui, devant. Il faut être major la semaine prochaine. Pour être informé de l'ouverture des recrutements, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de la Sadoge. Le lien est dans la description. Ouais, il n'y a que Facebook, hein, je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous informerai sur les prochains lives. Hein. Vous inquiétez pas pour ça. Mais là, pour l'instant, on est encore bridé à des slots, à 22 slots, je crois. Et je sais qu'on est déjà full là. Donc à mon avis, on attend les 32 slots. Il paraît que 5M va lancer son 64 slots. Donc un serveur à 64 joueurs, imaginez.
Ce serait dingue. Regardez ça, les copains. Regardez ça. Tu connaissais pas, toi? J'avais vu l'extérieur, mais pas l'intérieur. Je pouvais pas changer l'intérieur. MZ Garage, les copains. J'ai mon panneau. Là, il y a déjà des clients. Regardez ça. MZ Garage. C'est ouf. J'ai passé juste là. Là, j'ai un autre panneau. Ah, ça fait trop plaisir de vous montrer ça. Depuis le temps. Regardez, oh là 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 là. Regardez ça. Non, ça vaut le coup de sortir du vélo pour vous montrer ça. Ça vous rappelle pas quelque chose de la publicité là? Juste MZ. Towing service. 24 heures. Service best price. Les meilleurs prix. N'hésitez pas à appeler. Et là, il y a mon numéro de call. 312-771-40. Et là, je vais vérifier que c'est bien mon numéro. C'était là. Ah oui, je peux le faire dans mon téléphone, t'as raison. Je peux le faire dans mon téléphone aussi. Dans mes paramètres, je crois, non? Ouais. Mon numéro, 312-71-40, c'est bien ça. Ah, c'est magique. Si ça, c'est pas la classe. Et normalement... Ah, attendez, je vais vous montrer ça. Ça sera mieux. Ah, ah le mec, il connaît pas son garage, en fait. Attends, pourquoi on fait pour... Je sais même plus reculer sur un vélo. Ah, mais c'est peut-être parce que c'est un fixie, non? Ah, c'est peut-être pour ça. Ah non, si, je suis censé pouvoir reculer, attends. Bah, quand on recule? Je suis con, en fait. Je suis super con. C'est qui devant? On va mettre son vélo. Je vais mettre mon vélo devant. On va mettre ici. Voilà. Oh, c'est trop. Pff. Oh, c'est génial. MZ Garage. Là, un petit panneau. Regardez le panneau. Ah, salut les gars. Salut Matt. Ça va? Bonjour. Ouais. Ah, par contre, c'est toi, Max, habillé comme moi là? Non, en noir, c'est moi. Ah, Dominique, on a la même tenue. Non. Je crois qu'on a le même. Ah oui, ouais, c'est. Ah, on a le même Barbie aussi. Qu'est-ce qu'il sort? Ah bah oui. Vous connaissez les voix, les copains? Frère jumeau éloigné, peut-être? Ah, peut-être. Oh. Du coup, vous prenez votre service? Ouais. T'attendais, t'attendais, ah, ouais. Ah, je viens de passer mon permis. Ça fait deux fois, trois fois que je passe mon permis, là. Ah. Ah, ah ouais. Je l'ai repassé, là, parce qu'il était plus à jour. Ah. Allez, bon, mais j'ai gagné le pari, hein. Salaud. <Effectivement. rire> Salaud. Oh là là là. Bon bah du coup j'allais découvrir la nouvelle peinture là. On m'a dit qu'il y avait la peinture fraîche. Je vais voir ça. Ouais, on va te suivre. Ouais. Allez, c'est moi qui paye le café ce soir. Attention les gars, attention. Ah. Regardez-moi ça. Toi aussi tu connaissais pas? Non, en attendant j'avais pas vu, ça changeait pas pour moi. Moi je connaissais déjà, c'était une surprise mais... Regardez-moi ça. FZ Garage. C'est oufissime. Ouais. On a trop la classe les gars. Là, on pèse dans la ville. MZ Garage. Ah bah là. Regardez ça, on reconnaît pas. C'est un joli poster, hein, avant tout. Hein. J'aime bien, moi. Et en plus, j'ai mis... Dominique, je savais que t'aimais bien les Asiates. Et j'ai mis que des Asiates. Ah. Regarde-moi cette petite beauté, là. Regarde-moi ça. On avait touché on avait touché la carlingue, là. La carrosserie. Ah, c'est pas votre femme? Ah, je suis rassuré. Ah non, je n'oserais pas la mettre en photo. Attention. Par contre, là, je me demande si c'est pas la nouvelle Miss France. Justement, Miss France. Ah non, non. Parce que... Non. Non, je suis rouge, celle-là. Non. 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 Oh, en tout cas, il y a du beau matériel. Elle est bien habillée. Ouais, quand même. Hein. Ouais. Et c'est pas le moteur de... du plateau, ça? Il paraît bien gros. Il est énorme le moteur. Non. Il est énorme ce moteur. Bah, c'est un V12. Non. Ouais, c'est un gros V12, ouais. Et du coup, les amis, ici, on va pouvoir faire toutes les réparations. Mais vraiment des vraies réparations. Enfin, vous allez pas voir des vraies réparations pièce par pièce. J'espère qu'il y a des nouvelles tenues.
Bah justement, on va aller voir ça dans le vestiaire. Allez. On fait des préparations aussi. Oh, pff, ça va être énorme. Ah oui. Oui. C'est où? Ah non, c'est pas ici. C'est ici. Alors, F6 pour prendre son service. Ah, c'est trop bon. Okay, ça, c'est bon. C'est pour faire ça. Non, mais t'es sérieux, tonton. Ah, c'est trop bon, ça, putain. Ça s'appelle du troll, ça. Ça s'appelle du troll. Ah, c'est énorme. Non, mais tu... Non, mais t'es sérieux. Non, les gars, c'est qui qui a mis ça dans mon casier? C'est un de vous deux qui a fait ça, là? Ah, non. Ah mais c'est une blague. Non. Non mais... T'as du que du chef j'espère. Ah bah là parce que... Non c'est une blague. Non mais je sais que c'est bientôt Noël mais là on va souffler la honte là. Ah bah... C'est... Je crois que je vais pas faire dépanneur ce soir. Ouais non. Ah non les gars, c'est tout le monde en tenue ou rien. Hein. Bon, on a pas le choix. Hein. Je vais regarder mon vestiaire, tiens on va voir. J'ai besoin de mes lutins ce soir, les gars. S'il vous plaît, me laissez pas tout ça. Oh, ah c'est encore plus ridicule quand c'est vous. Attends. Oh non. Ah, oh, c'est une blague. Ah bon, bah, oui. Qu'on a pas bah, le choix. Non. Je suis désolé, les copains. Mais... Non, mais là, c'est pour attirer la clientèle. Il faut. Ah ouais, bah là, on va les attirer. On ne sa personne. Mais là, il va falloir payer le double. Je suis désolé, les gars, mais... Vous aurez des primes pour ça, hein, c'est... Ah bon, ça va. Voilà. Oh merde. Ah, je m'attendais pas à ça quand même. Ah bah alors là. Ah, si on m'avait dit, je crois que je me serais pas connecté ce soir. Et le pire, c'est que tu dois aller chez les pompiers comme ça pour réparer leur véhicule. Ah ouais, en plus, je viens de passer à la caserne et de pompiers, bien évidemment. Et je dois, ou un de vous d'ailleurs, ils ont une MS ouais. En panne. Par contre, comme ça, on va se foutre la honte. Hein. Enfin, moi, si j'y vais, les gars, bah, toi, Max, vu que nous on est pompiers volontaires, on va se foutre la honte. Et c'est pour toute la vie après. Ah ouais, non, je vais pas. Ouais, Dominique, tu pourras y aller, s'il te plaît. Ouais, je vais y aller. Je te remercie, parce que nous, on s'est fichu. Après, à la caserne, ils vont pas arrêter de nous troll. Non, c'est mort. Ah bah déjà quand je vais arriver ça va être sympa, ils vont tous rigoler ça se trouve. Ah ouais c'est sûr même, je cherche pas, c'est sûr. Ah ouais, je suis en train de me dire, les gens qui arrivent sur le live, ils sont en train de voir ça, ils sont en train de se dire mais non mais c'est quoi ce serveur de troll. Bon, bah je vais y aller alors. Bon. Rencontrer. En bas tout à l'heure. Hein? Ah j'espère que les véhicules c'est pas pareil. Ah j'espère. Ah. Oh. Bah on va voir mais... Attends, je te suis. J'ai Alex. On va voir. Oh non, le pire, c'est qu'on fait du bruit en plus. Mais oui, on fait des gros lots. Oh non, il y a des gros lots. Oh mais on fait de la lumière en plus. En plus, on brille. Oh non, non, c'est pas possible. En toute sécurité. Oh non, les gars, c'est pas possible ça. Ah, attention. Ah, ça va. Ah non, c'est bon. Ouf. C'est bon. N'hésite pas à mettre ce. Tu... Oh putain, il y a déjà un client. Oh non. Attends. Ah. Je me cache. Cachez-vous, les gars. Attends, derrière. Oh non. Oh, merde. Bonjour, monsieur. Bienvenue à MZ Garage. Oh, je me fuis. Oui. Rip la crédibilité. On va changer de tenue. Bonjour. Oui, je vois. Bonjour. Ça pour les fêtes. Pas trop là. J'espère. C'est... Donc une petite réparation. Attends, je vais boire un petit coup. Je vais boire un café, j'arrive les gars. Qu'est-ce qui vous arrive exactement? Ah ouais, c'est pour une petite réparation, j'y vais moi, du pare-choc avant. Ouais, ok. Bah, du coup, Dominique arrive. Max il est en train de s'occuper du client. Ça c'est cool hein. Putain je suis c'est magique. J'adore ce qui se passe. On va boire. Boire de l'eau. Hein, je dis pas de bouteille d'eau. Utiliser.
On va pas manger tout de suite, il me reste encore à bouffer. Ah voilà. Et là je voulais vous montrer quelque chose, une nouveauté aussi. Regardez ça. J'ai en fait, alors ça c'est, ça va être énorme. Là j'ai en fait, j'ai comme un compte bancaire. En fait il faut savoir que tous mes gars qui vont travailler, on fait des factures à des clients, donc on a un système de factures. Donc pour différentes réparations, dépannages et tout ce qui s'en suit. Vous allez le voir certainement sur mes lives et mes prochains lives. Et chaque fois qu'ils vont faire une facture, l'argent va pas directement sur leur compte, comme on pourrait croire, mais va directement sur le compte de l'entreprise. Donc là, j'ai une gestion de compte. Je peux voir le solde d'ailleurs. Et dessus, j'ai 163 000 dollars. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai 163 000 dollars. Ah, c'est cool ça. Je peux rajouter de l'argent. Je peux retirer de l'argent. Donc, je peux payer mes gars comme ça. Et en plus de tout ça, j'ai un compte offshore. Donc, ça, c'est un compte planqué que personne ne voit. C'est un compte offshore, quoi, sur les îles Caïmans. Pareil, j'ai les mêmes paramètres que. D'ailleurs, j'ai combien ? J'ai 400 dollars. Merde. Du coup, j'ai 400 dollars sur le compte offshore. Et j'ai aussi une blanchisserie. Vous savez ce que c'est une blanchisserie ? Une blanchisserie, c'est de l'argent sale. Donc quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui vend de la beuh, qui fait du trafic d'armes ou quoi que ce soit. Il a besoin d'un blanchisseur. Je suis blanchisseur. Et je récupère en fait une grosse TVA dessus. Et je blanchis son fric. Et ça, c'est énorme. Ça va, ça ouvre des possibilités de RP, mais pff, dans l'illégal, ça va être énorme. Pas mal, dis donc, votre nouveau garage. Ah oui, tout neuf, la peinture est fraîche. Ah ça j'aime bien ça. D'accord, quand je vous rassure, notre tenue, c'est juste pour les fêtes de Noël. Hein. Ah, j'espère. J'espère aussi. Avec ça, ouais. Ah, c'est un flic. C'est un flic, il a un flingue à holster. Oh, merci bien, monsieur. Mika, bonsoir Matt, voici un petit don avant un autre, un peu plus gros. Bonne soirée, bon live, et à plus tard dans la soirée. Merci Mika105. Merci énormément. Avant le gros don, tout de suite. Là, on a un menu. Alors ici, c'est une petite zone de... Alors ça paraît... Ouais, ça paraît logique. C'est une petite zone de travail où on vient modifier les véhicules. Et dedans, on a quoi? Ah oui, il faut un véhicule. Bon, on verra qu'on aura un véhicule. On a des nouveaux véhicules aussi à l'extérieur. Je vais vous montrer ça. Oh putain, les clochettes, c'est vraiment atroce. Voir mon patron, il vous fera sûrement un contrat, il faut voir. Ouais, j'ai entendu patron. On va voir ça avec le chef de la police. Oui, ce monsieur est de la police, c'est Matt. D'accord, j'avais vu avec sa petite, avec son badge, ouais, j'avais vu ça. Je me dis, comme on avait des contrats dans la ville où on était, peut-être on pourrait faire pareil ici. Ah ouais, faire des contrats avec les services publics, tu veux dire, ouais. Ouais, ça, je vais en discuter avec mes collègues, monsieur comment d'ailleurs ? Vous êtes monsieur comment ? Votre nom ? Le capitaine Dex. Ah, capitaine, ok, autant pour moi. Et ben, on vous recontacte très vite, monsieur le capitaine. On va en discuter avec mes. De toute façon, va falloir. Comment ? Je pense qu'il va falloir vraiment faire un contrat avec les services de police parce que j'ai un autre capitaine. Oula ! Ah, d'accord. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ah, non, le lieutenant, excusez-moi, je crois que c'était le capitaine. Soir. Je ne vous attendais pas ici. Non, moi non plus, je vous attendais pas ici. Il y a combien de... Ils ont tous des problèmes de bagnole. Je voulais voir s'il y avait des dépanneurs disponibles dans la ville. Affirmatif. Pardon ? Affirmatif, monsieur lieutenant. Monsieur Robinson, Monsieur Robinson, pardonnez-moi. À qui ai-je l'honneur ? Je suis monsieur Zeppel, Matt Zeppel, responsable de l'entreprise MZ Garage. On récapitule. Vous êtes monsieur Zeppel, oui, d'accord ? Oui. Et vous êtes responsable de ça ? Exactement, monsieur. Dans cet accoutrement. Ah oui, non, ça c'est pour les fêtes en fait. Ça attire la clientèle, ouais, ça rend. Aussi, j'ai été choqué. Oui, ça nous a choqué aussi, je vais pas vous le cacher. Ça nous a choqué aussi, oui. Pardon. Et non, mais c'est pour les fêtes. Comment vous pouvez m'expliquer que on a plusieurs appels
venant de la police department, c'est qu'on a aucun dépanneur, dépanneur qui se... Ah, on vient de prendre notre service, c'est pour ça, lieutenant. Ah bah ouais, va falloir arrêter d'aller boire des Irish Coffee et de... Ah, sans vouloir vous manquer de respect, bon, messieurs. Eh lieutenant, vous voyez ça sur la pancarte là, c'est marqué 24h sur 24, 7 jours sur 7, on appelle... En plus droit. Donc, c'est de la pub mensongère. Non mais... On a eu un petit souci actuellement, lieutenant, mais ça sera fera plus. Enfin, on est disponible, il n'y a pas de souci, on est disponible. Mais il est où votre créneau quand... il est où votre créneau? Ah. Je laisse, lieutenant, moi j'y retourne. Le traîneau. Bien, Allez, au revoir, bonne soirée. On n'a pas de traîneau, lieutenant. Lieutenant, comment vous faites pour vous déplacer mon véhicule? Ah! Je bouge à tout. Par contre, Captain, tant que vous êtes là, si vous pouvez faire remonter ça au plus haut. J'ai mon véhicule. Ah bah, il y a rien, les dépanneurs ici. On est ridicule. Qui, oui. qui a des problèmes de contact. Je vais manger un petit coup, j'arrive. Le véhicule se coupe. T'as pas faim, toi? Et puis hop, il repart après. Pas faux, j'ai soif. Moi, je crois, la dalle. Oh, mais ce bruit de clochette, c'est vraiment atroce. Oh non, mais. Mon dieu. J'ai mangé un coup, sandwich. Et mon petit hamburger là. Oh le type. Ah, ça fait du bien. Je parle pas trop, j'ai juste dit bon, que c'était bon. J'ai quand même fait la première réparation. Ah oui, du coup, t'as fait quoi comme réparation? C'était de la carrosserie. D'accord, ouais, truc basique quoi. Ça aurait été pas trop compliqué. D'accord. Pas de problème avec avec les facturations, ça pose pas de soucis? Écoute, y'a pas eu de soucis apparemment. J'espère que c'est bien aidé là où il faut. D'accord. D'accord. N'hésite pas à mettre ton véhicule sur le parking hein, à proximité. Ouais, ce que je vais faire de suite, hein. Je vais y aller. D'accord. J'espère qu'il n'y a pas de traîneau. Tu prends quel véhicule d'ailleurs, Max? Tu prends un... Je vais prendre... je sais pas. Y'a quoi comme véhicule du coup? Évite de prendre... Prends peut-être pas le plateau aujourd'hui, prends le crochet. Ok. Le petit crochet. Okay. Je vais peut-être faire pareil, moi. Un petit crochet? Ah putain, c'est pas possible. Je vais faire pareil, je vais sortir mon véhicule. Je sais pas, mais j'ai pas vu les nouveaux véhicules, patron, donc... Ah bah attends, on va aller voir ça ensemble. Le temps? Un souci? Bonjour, c'est re-moi. Ouais. Oui. Je peux piquer les panneaux, là? Je vous dérange? Voyez ça que oui, mon collègue... Dites-moi, lieutenant, je suis devant vous. J'aurais besoin de quelqu'un pour récupérer un véhicule juste derrière le garage là-bas. Qui est à bord. Eh bien, je viens. Ouais, je viens de suite. T'as déjà du boulot, les gars, c'est ouf. Merci. Ah, Max, faudra que tu. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. Dites-moi, lieutenant. Ouais. Monsieur Robinson? Ah, il est en live. Bon, bah, là, monsieur Robinson. Regardez, oh, on l'a pas vu. Un nouveau véhicule. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur Robinson. Excusez-moi, j'ai un petit problème de cerveau. J'ai donc le véhicule de service ici, qui me fait des petits problèmes de contact. Ah. D'accord. Il roule votre véhicule? Monsieur Robinson? Ah merde! Il vient de crash. Ça c'est moche. Du coup on va regarder ça. J'espère que les clés sont sur le contact. Parce qu'on peut bloquer les portes. Ah nice! Oh j'ai du bol. Ça c'est un véhicule de police ça? Il y a un Giro devant, non? Oh oui! Excellent! Comment on met les Giro? Ah, comment on fait? Comment il avait dit, c'était pas grec? Porte non, fermée. Porte fermée. Porte ouverte. J'ai envie de m'amuser que c'est Giro. Oh, je sais plus. C'est pas comme ça. Ah merde, comment on fait? Ça c'est les phares.
Je peux livrer des cadeaux. J'ai peur de faire une connerie. Trouve pas la marche arrière. C'est la touche 9 0 du pavé de la barre des tâches. Et égal, c'est pour les skins. Ah, merci tonton. Et ensuite, c'est Y pour allumer le gyro. Oh là là, il y a trop de trucs. Bah oui, bah attends, nous on n'est pas des pocherons à j'ai regardé pour... Salaud, bah. C'est à cause de toi tout ça, je me fous la honte. J'ai regardé pour mettre en marche leur gyrophare. Ça m'a bien fait rire. Mais apparemment, il y a un problème avec son véhicule. Allez, bisous. Je vais le mettre dans le... Je vais le mettre dans le garage, je vais regarder ça. Ouais. J'ai essayé de gérer sa petite, son petit boîtier de commande. Il a dit quoi, 9 ? Essaye... Ouais. Ah, 9 en dessous de... Là, là, pas du pavé nu, mais celui-là, je pense. Ah, c'est là. Ah, bouge pas, j'ai trouvé. Là, et après, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, si, j'ai un gyro, là. Regarde. Ah. Ah ouais, sympa, ces gyros. Ouais, sympa, ouais. Bon, j'ai peut-être pas trop joué avec, quand même. Ouais, je vois toi. Je vois attention. Ouais, je vais foutre le véhicule dans le garage. Ok, bah, je te guide. D'ailleurs, je vais peut-être y aller en marche arrière. C'est excellent. Vous allez voir une réparation de véhicule, ça sera la première. Ah, je vais le foutre jusque là-bas derrière, je pense. Il n'y a même pas besoin de guider, il y a la place. Ouais, largement. Alors, qu'est-ce qu'on a? F6. Ouvrir le menu. Ah, j'ai un appel. Ouais, je viens de voir ça. A tout à l'heure. Ah, c'est magique de voir ça. Le petit Lita qui court chercher. Partir en mission. C'est énorme. Alors, on va faire un petit, une petite analyse avant que le lieutenant arrive. Alors, F6, tu n'es pas dans le véhicule. Alors, réparer, on peut le nettoyer, on peut le vendre. On peut le réparer, nettoyer, le vendre, ok. Donc ça, c'est des menus simples. Mais je sais qu'il y a d'autres trucs, je le sais. Là, normalement, on a des actions pour le métier. C'était pas là-dedans? Ah non, je sais plus. Est-ce qu'on peut mettre un gilet? Ah ouais! C'est classe, hein. C'est pas mal. C'était dans quoi? C'est pas là-dedans, normalement? Ah, c'est le menu dépanneur, je suis con. Alors, du menu dépanneur, j'ai facturation. Donc facturation, bah d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite. Facturation, regardez. J'ai donc pour les voitures camionnettes. Donc là je facture en fait le déplacement. Donc sur City of Los Santos, 100$. Los Santos Country, 100$. Le prix augmente en fonction de la localisation. Je peux... J'adore. C'est moi qui fais qui ouais, ces prix. Hein. J'ai forfait nuit et forfait neige, 100$ de plus. Pour les motos c'est pareil, j'ai des prix différents. Forfait nuit, forfait neige. Réparation, diagnostic, 100$. Ouverture de portière, 100$. Révision générale. Réparation, restauration d'épave, changement de pneus. Les phares, la carrosserie, les vitres. Pour les motos, pareil, c'est pas les mêmes prix. Les camions, les prix sont complètement faramineux, mais c'est normal. Et j'espère que je vais tomber sur des clients qui ont des camions. Je vais me faire un max de thunes. Et sinon j'ai haute montant, c'est moi qui mets le montant de ce que je veux quand je fais un petit truc à l'amiable ou autre. Mais ça c'est super pratique. Ah, c'est qui arrive. Et après la facture, tu, en fait, tu peux ajouter tous tes montants ou t'es obligé de faire un par un? Ah non, faut que je fasse un par un. Un par un, ok. Donc en gros si t'es à Los Santos, tu mets le prix, après tu fais ouais. Ce que t'as ouais, fait. Ouais, mais de toute façon, ça ferme pas le menu, donc je mets mon truc, je descends, je revalide et tout ça. Et lui, en fait, le client va recevoir sa facture et c'est lui d'avoir validé ou non. Ouais. Donc il peut pas accepter le montant. Excuse-moi, patron. Ouais, t'es où? Matt. Ouais. Excuse-moi, du coup, je suis sur la radio. Je voulais te demander, quand on dépanne un véhicule pour la police, on fait comment maintenant? Tu le sais ou pas?
Facture directement ou on envoie la facture? Bah normalement on est... Pourquoi ils veulent pas payer? Non mais je leur ai demandé, ils doivent me répondre là. Ah merde, je sais que c'est une bonne question. Je sais pas si on doit noter sur de notre côté les véhicules de police qu'on répare et qu'on facture ça au gouvernement. Bah il vient de demander de son côté, on envoie la facture. Ah on envoie la facture, bon d'accord. Donc faut pas oublier qu'on note de côté les véhicules qu'on répare. Ouais. Mais là tu m'appelles comment via le... Bah là pour l'instant... Ah t'es dans le channel? Oui pardon, ouais. Oui, pas de soucis. Faudrait essayer. Ah oui, je suis pas dans un véhicule, je t'entends pas en CB aussi. Ah ouais, mais ouais. Ça c'est, par contre ça va être bizarre parce qu'on saura jamais. Je suis en train d'y penser. Il va falloir essayer là, la radio. Vas-y, essaye là. Ah, tu m'appelles là? Test radio pour collègue CB. Ouais, tu m'entends? Affirmatif, tu me reçois? Ça marche. Ah nickel, super super. Je crois qu'en fait on va avoir directement une radio sur nous plutôt qu'une CB. On va faire comme ça, ouais. Parce que sinon on saura jamais qu'on est dans un véhicule en fait. Ok, mais je reviens au garage. Hein. Pas de soucis, pas de soucis. Bref, du coup on aura une radio sur nous. Il va falloir faire des codes comme chez les vampires. Ouais, je pense. 10-4. Du coup, j'en étais où? Facturation, ça vient de le voir. Analyser le véhicule. Attacher, détacher, réparer le véhicule, crocheter la serrure. On a différents objets. Objets, on a quoi? Tonneau rouge, cône rouge, barrière, caisse à outils, barrière, notre barrière, halogène. Et on peut les supprimer. Eh ouais. Regarde en haut. Quoi? De ton menu, puis agonise. Ah ouais. Tu t'es fait troll là, ouais. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Alors déjà, je vais analyser le véhicule. Ah d'accord. Ouais, c'est bien, c'est pratique. Il vient de se gratter le cul là. Sérieux? C'est dégueulasse. Du coup, l'analyse m'a rien donné. Donc peut-être qu'il y avait rien du tout sur le véhicule en fait, il n'y a pas de souci. Je vais le réparer quand même au cas où. Mais à mon avis, il n'y a pas grand chose. Ah, j'ai les mains qui traversent. C'est hyper stylé. Du coup, il y a des animations aussi sur les actions qu'on fait. Bon, bah, il n'y a pas grand chose en fait. Je crois que même qu'il y avait rien de cassé. Faudra pas que j'oublie de. Wouf. Ouais, c'est le premier véhicule que j'ai dépanné. Ça sera gratuit. Ah, par contre, faut que je démarre le moteur, oui. Ça, on va enlever le limiteur. Limiteur désactivé. Voilà. On va garer le véhicule à l'extérieur. Pour Dom. Excellent. Ouais, transpect. Ouais, j'aurais besoin de quelqu'un. À la caserne des pompiers, il y a un engine qui est en train de fumer. Et ma voiture est partie. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait venir? Ouais, bien reçu, je vais venir. Je dépose une voiture au garage et je viens. Ouais, merci. Bon, voilà, le message est passé. Donc, du coup, vous avez compris, on a des radios sur nous. Ça va permettre de. Bah, de faire genre d'action en fait. C'est bien qu'ils le montrent. Alors, c'est pas volontaire. Je vais voir un truc apparaître là. Ah, c'est ici. Là, on a des nouveaux véhicules. La moto, vous la connaissez déjà. Oh, ça a disparu. Merde. La moto, la Mitsubishi, c'est le 4x4 Mitsubishi, le Mercedes Sprinter, vous le connaissez déjà. J'adore ce jeu, j'adore. Il y a le dépanneuse plateau, vous connaissez déjà, il y a le dépanneuse VL qui est juste là, devant vous, là. C'est le crochet, dépanneuse PL, donc pour les poids lourds, c'est pareil avec un crochet, mais c'est pour les poids lourds. Et là, la CVPI, réservée au boss. J'adore. Regardez ça. J'ai ma petite CVPI avec mon petit giro. Ah, c'est trop cool. Du coup, je vais la garer où? Je vais la garer juste là.
Parce que je suis le boss, je suis un mec comme ça. Alors comment on a fait tout à l'heure? Attends, c'était F9? Non, c'est pas 9, c'est 9. Là, je sais que je peux changer mes gyros. Là, je peux l'enlever, donc je peux rouler normal. J'ai un gyro blanc aussi, c'est soit blanc, soit orange. Appel en composant une réparation. L'appel a été pris, ah, du coup le collègue l'a pris. J'ai soit ce gyro là, ce qui est pareil, ou sinon j'ai la version en blanc. Sinon je peux en mettre deux. Qu'on attend. Matt. Ouais, dis-moi. Du coup je vais aller voir Dom, mais j'ai un autre appel. Ah. Si peut-être tu bah, peux je vais prendre l'autre appel de Dominique du coup. L'action qui t'avait. Ok. C'était quoi du coup, rappelle-moi. Ok, pas de soucis. Je m'en souviens plus. À la caserne, il faut aller à la caserne, juste, je pense parce que son véhicule a disparu. Ah, c'est pour venir la chercher? Je sais pas, je peux pas te dire. Faudrait ok, je vais l'appeler, bouge pas. Merci. Matt pour Dominique. Wait for me. Ouais, du coup, je vais venir, enfin, je vais remplacer Max, je vais faire ce que tu nous as demandé. Mais rappelle-moi, c'était pour faire quoi et où? Parce que y a un engine qui est en fumée, clairement. Le capot il fume. Ah, c'est pour le réparer? Ouais, et parce que du coup j'ai plus de voiture. C'est pour ça. D'accord, reçu. Bah, du coup j'interviens. Je prends le véhicule et j'arrive. Ça marche. Attends, je vais manger un petit coup d'ailleurs. Ah non, faut que j'aille boire surtout. F7. C'est dingue, mais j'ai tellement de trucs à faire. Ça revient. Bouteille d'eau. Utiliser. Voilà. Je vais sortir du coup un autre véhicule. Je vais prendre le sprinter, ce sera le plus. Ce qui sera plus logique. Avec la vieille tête derrière. Pour l'intervention, comment? Avec la vieille tête derrière. Ouais! Du coup, il y a ma petite tête derrière. Allez, go! C'est parti! Première fois que je sors en... avec mon véhicule. Est-ce que tu vas réussir à garder ton permis? Ah, d'accord! Je l'avais pas vu! Ça va, toi? Écoute! Tu vas finir bizarre. À pour sur ton intervention. Hein. On va essayer. C'est peut-être un coup de pas de balle. Mais je pense que il s'est passé la même chose pour Dominique en fait. Ce soir, ouais. J'espère en fait juste pas faire plus de kilomètres et de me retrouver en fait à perpète sans véhicule. Ouais, c'est des petits bugs. Qui vont se réparer rapidement. Et vaut mieux qu'on les voit maintenant que plus tard. Pourquoi j'ai. Mon clignotant qui se met automatiquement. Ah. Non, je vais pas prendre la balle du boss. Parce que là, c'est pour réparer un véhicule. Je vais peut-être pas pouvoir le ramener ici, je vais voir. Si je dois le ramener, d'ailleurs, il faut que j'appelle un autre collègue qui vient chercher. Avec un crochet. Eh, hey, ça va, Matt, la forme. Salut, Alex. Merci à toi. Comment tu vas, Alex? Ça le fout. Hein. Merci beaucoup. Ah, sauvegarde ton véhicule. Pas con. C'était dans quoi? Dans. Ah, je l'avais vu tout à l'heure. Dans M. Sauvegarder le véhicule. Merci pour l'astuce. Tout simplement. Non, je mets pas les gyros. Je mets les gyros uniquement pour signaler un danger quand je suis à l'arrêt. Là, quand je suis en intervention comme ça, je suis pas prioritaire sur la route. D'ailleurs, c'est gyro phare orange, donc. Il te faut un rotator. Rotator, c'est quoi? C'est les gyros pour toi? Prends le camion. Ah, mais du coup, normalement, enfin, j'espère pouvoir le réparer sur place. Parce que vu que c'est une ambulance. Au pire, j'appellerai un collègue pour venir le chercher, c'est pas grave. Putain, il y a des interventions. Toutes les secondes. Ah, c'est bon, ils ont pris l'inter. Et bah, toi, heureusement qu'on est les trois. Parce que. Sinon ça aurait été chaud. Tu vois, on a des interventions toutes les 5 minutes. C'est dingue comme ça décale. Hein. C'est bien. Ça m'impressionne. Ça va faire plein de thunes en pas de temps.
Par contre, faut pas que j'oublie de prendre le numéro des collègues. Parce que je l'ai pas. Ah, rotator, c'est un canon gru. Oh. Je savais pas, merci tonton. Eh, me colle pas, toi. Relou. Ouais, c'est vert. Merde, c'est orange. En plus, ça fait plus... Ah, mais ça fait plus tout à l'heure qu'ils attendent un... avec le dépannage, les pompiers. Ouais. Impeccable, la fin du taf normal. Merci, l'Alex 53. Mais t'as fini à quelle heure? À 22h30? Ou 22h? C'est chaud. Merci à toi, l'Alex. Hein. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est long les feux. En même temps, j'ai trop peur de me faire rattraper. Je viens d'avoir le permis, je viens de prendre mon service, c'est pas maintenant que je dois me faire arrêter. Ce sera la honte. Faudra qu'on passe un de ces quatre au pôle emploi, que je vous montre les différents métiers qu'il y a sur le serveur. Ça pourrait être sympa. Là, je vous avouerai que j'ai pas trop le temps. Ah, c'est quoi ça? Sur la map, là, je vois un véhicule. Le blanc ou... Ouais, on voit un véhicule blanc en, en mouvement, là. Bizarre. C'est pas un des véhicules qui... Un de tes véhicules à toi, non? Il est de garage ou un véhicule non, qui... Non, parce qu'il y a plusieurs qui apparaissent. Un véhicule qui a demandé un dépannage, peut-être je... Non, c'est pas des joueurs, ça. Je crois pas. Bon, on va intervenir. Putain, là, ils attendent, les pauvres. Ça fait au moins une bonne demi-heure qu'ils m'ont demandé. Hein. Les pompiers, ouais, mais y a pas un de tes collègues qui y allait. Comment? Y'a pas un de tes collègues qui y allait. Bah si, mais Dominique, apparemment, il y a eu un souci avec sa voiture. Le boss, pour garage, tout de. Ouais, transmet, Max. Donc, je viens de dépanner la police encore une fois et je repars sur notre intervention. C'est bien reçu, pas de problème. Oh, regarde les pompiers! Chef, salut! C'est un lutin aussi! Ah, je ouais, Matt, on a un gros problème! Ouais, la voiture s'abîme et se répare toute seule! Ah! Ah, d'accord! Bah, j'étais garé là, j'avais aucun souci! Hein. Y avait pas de souci, le plein était fait, tout était fait! Et elle s'est mise à fumer là devant! Et juste après, elle a cessé de fumer. Et là, ouais, il nous est arrivé la même. Ouais. Il nous est arrivé la même chose là, le camion tout à l'heure. Ouais. Attendez, Ouais, transmet Dominique. Attendez, j'ai ouais, un appel radio. Du coup, avec les pompiers, un inter annulé, apparemment il y a un pompier qui aurait trouvé la panne. Hein. Ah, bah je suis avec eux devant. Ouais, je suis avec ça, eux là c'est actuellement, ça, Dominique. En fait, il s'est arrêté derrière le rescue. Bah je sais pas, c'est bizarre ce qui se passe. Ces petites puces ouais. électroniques fonctionnent. Ouais, j'ai plus de voiture. Ah, t'as plus de voiture du tout? Non, j'ai plus de voiture. J'appelle la police. D'accord. Ah, bah pareil. Ah bah voilà. Ouais, j'ai. Ah, ouais, le Père Noël est passé. Bon, bah ouais, c'était mon cadeau de Noël, mais apparemment. Le Père Noël l'a retiré. Ouais, moi, j'ai on va te déposer à la caserne. D'ailleurs, Matt, d'ailleurs, t'as un employé chez toi. T'as un employé à la caserne déjà. T'as un employé bon, chez toi. Pas, Max, écoute, je crois que je vais te ramener avec ton employé. Ouais, je. Ok. Non, on va repartir à la caserne. Ouais. Du coup, il y a. L'ambulance, elle est pas en panne, les gars? Elle y était, mais elle est... après elle y était plus. Ah, le camion ça nous a fait pareil, la voiture ça nous a fait pareil. Je crois que le Père Noël il est avec les pompiers, ah, il ouais. Avec des dépanneurs, c'est sûr. Ouais, c'est bizarre. Bah, je vais monter avec vous, je vais les voir directement. Ouais, ouais. Du coup, tu montes devant toi. Ah, désolé, désolé. Non, reste, t'inquiète. Non, mais t'as raison, c'est pas ma place. C'est pas ouais, place. Tu vois, regarde, là, ah, elle démarre plus. Ça marche plus là? Tout à l'heure elle démarrait. Attends, bouge pas, je vais regarder ça. Ah, okay.
J'ai analysé le véhicule. Le plan est fait, tout y est. Attends, bouge pas, je regarde ça, c'est bizarre. C'est peut-être de l'électronique, hein, ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est ta puce pourrie là pour faire péter les moteurs. Ah, du tout, hein, du tout, je vois pas du tout de quoi tu parles. Attends, je regarde sous le moteur, voir. Ouais. Le gouvernement était trop gentil avec toi. Ah, mais il y a quelqu'un sur place. Oh, ouais, j'étais déjà là. Mon véhicule a disparu, malheureusement. Il s'est fait envoler par le Père Noël. Bah, c'était l'appel que j'ai eu là. Ah, bah, reste à côté de celui-là qui s'envole pas. Là, t'arrives pas à le faire tourner le moteur? Non. Ah, il va falloir sortir du véhicule, je pense, pour la réparation. Bah... Ah, on a un appel. Attends, suspicion d'explosion à la station service. Ah merde, bah montez dans le. On charge du véhicule, vous inquiétez pas, les gars. Bah, accrochette-le, Max. On va l'emmener directement à la caserne. On va porter à la caserne. Ouais. Vas-y. Ah, nickel, parfait, c'est bon. Ah, oui, on est. Là, c'est bizarre. Le véhicule, il fume, là, actuellement. Ouais, c'est parce qu'il. Il y a une bonne panne. J'ai un autre appel, par contre, je l'attends, moi. Tu veux que je la prenne? Parce que j'ai plus de véhicule, moi. Oh, le bordel, on a trop d'interventions. Ouais, sinon, prends-la. Là, je peux pas le prendre, moi. Ouais, je viens de la prendre. Oh! Oula! Ouais, mais ça, c'est fait. Le véhicule, il a complètement disparu. Bon, tu sais quoi, on va partir sur notre... Ah bah oui, il y a ce véhicule là dépanné aussi, merde. Ah mais je te laisse le véhicule ou... Ah bah il y a Dominique. Je vais pas le voir. Ah. Oui. Alors en fait on est tous bloqués ici. Ah ouais. Ouais. Je pars sur l'inter du coup. Ouais, tu la connais? Ouais, je la vois. Ah tout le monde les voit? Domi, je te prends? Oui. Ouais, je veux bien, ouais. Bah tu go. J'attends tout seul en fait. Là, s'il marche pas ce véhicule, c'est bizarre. Il y a 36 millions de soucis. Bah, si, ça marche très bien. J'ai l'ambulance là, celui qui est dedans. Qu'il la sorte, on va avoir besoin de l'engine. Ah, c'est celle de dedans. Ah, ils ont besoin de l'engine, merde. Attendez, excusez-nous, on va juste sortir l'ambulance parce qu'il y a un départ pour peu. Allez-y, tu peux me tutoyer, Max. Hein. Ah mais j'ai pas eu que c'est toi, Maté. Ah c'est vrai qu'on se ressemble tous en lutin, c'est vrai. On se fout assez la honte comme ça. Tiens. T'as un moment ça décale en plus. Du coup c'est elle qui est en panne apparemment. On va aller voir ça. Bizarre quand même qu'ils aient des soucis. Ah la vache, oui. Ah du coup vous voyez en fait, c'est qu'il panne détecté, appeler un dépanneur en bas à gauche. Comme ça on est sûr que c'est bien en panne. Hein. Par contre je peux pas prendre l'intervention malheureusement. L'appel a été pris. Oh nice, c'est bon, ils l'ont pris. Un dépanneur, analyser le véhicule. C'est fou d'avoir autant de problèmes de caisse là. Ouais, Matt, je sais pas ce qui. Je vais aller chercher ma voiture dans la caserne parce que l'autre elle est plus là-bas. Ah. Je sais pas trop ce qui se passe là. Ouais, je sais pas du tout. Là, je vais essayer de réparer l'ambulance. Tu peux t'essayer ? Ouais, vas-y, pas de soucis, t'inquiète. Ouais ? Ok. Faudrait l'emmener directement au garage, mais. Ah, si, ça a dû le faire là. Ça a dû le faire. On va essayer de l'allumer. Ah c'est bon, ça marche. Ça fonctionne parfaitement. Ah cool. Hop. Nickel ça. Ben voilà, une bonne nouvelle. J'ai réparé ce véhicule. Oui madame, sur PC. Ah y'a eu RIP, ça a bugué? Non.
Bizarre, pourquoi il y a des gens qui buguent? Bizarre, y'a pas de bug. Non. J'ai le son et tout, y'a aucun bug. Ouais, du coup l'ambulance est réparée. Hein. Ouais, bah je te remercie, Match. Bah c'est normal. T'es à pied toi du coup? Bah du coup je suis à... Ouais, je suis à pied là. Ah mais y'a un taxi là, bouge pas, t'embête pas, y'a un taxi. Je voudrais bien me poser quelque part mais... Ouais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais ça va le faire, merci chef. Monsieur ? Bonjour. Bonjour, vous êtes disponible ? Oui. Parfait. J'ai appelé ici, c'est vous ou pas ? C'est vous qui avez appelé ? Non, c'est pas moi. Bah du coup je vais en profiter, je vais prendre le taxi. Hein. Attendez, je dois faire une manip avant. Ouais, pas de soucis. D'ailleurs moi aussi il faudrait que je... Ouais c'est bon, vous pouvez monter. Merci. Ah c'est fermé votre porte arrière monsieur. Ah allez, allez-y, allez-y. Merci. Du coup vous allez où? La société MZ Garage, je sais pas si vous connaissez. Si, je suis passé il y a 5 minutes. Ah bah parfait, si possible, s'il y a possibilité d'y aller Ok, on va partir. Merci monsieur. Par contre c'est un peu long, il y a pas mal de bouchons là. Par contre, faut attention, il y a une sortie de pompiers là. Ils arrêtent pas d'intervenir là, qu'est-ce qui se passe? Ils font que décaler. Oula. Ouais, j'ai panne d'essence. Oh, mes collègues sont en train de taffer comme des dingues et puis moi je suis tout seul bloqué là. Ça vous dérange pas si je mange dans la voiture? Non, non, allez-y. Je sais pas si je peux manger dans une voiture. Ah si ça marche. Oh c'est trop bien. Oh c'est trop cool. Nice. C'est quoi là? Allez avance, avance, allez, allez, allez. Aucun bug. Mais oui, y a pas de bug, c'est bizarre que certains ont des soucis. Non, c'est autre chose. Du coup, les amis, vous en pensez quoi du serveur là? Là, je vous ai montré vraiment peu de choses pour le moment. C'est marrant ce costume que vous avez là. Comment? Le costume que vous avez, il est marrant. Oui, c'est le costume qu'on a pour les fêtes de Noël en fait. Hein. Ouais, oui, j'avais compris. Mais... ouais, je suis pas sorti d'asile, hein, je vous rassure. Ouais, j'ai eu peur parce que j'ai vu l'hôpital à côté. Non, non, vous inquiétez pas. Du coup, par contre, il faudrait que j'aille à l'intervention de là-bas. Oh, il est loin en plus. Oui, oui, oui. Pour l'annuler, parce que. Oui, du coup, vous en pensez quoi du serveur, les amis? Du peu que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Est-ce que vous kiffez? J'espère que vos tarifs ne sont pas trop élevés. Hein. Non. Si vous voulez, ça bug pas d'image. Non. Là, ça va coûter environ 600 dollars. 600 dollars, ouais, c'est énorme. 600 dollars, monsieur. Je peux arrondir à 300 si vous voulez. Bah, je préférerais, hein, parce qu'à ce prix-là, je peux louer une bagnole, quoi. De négocier. Je vois ça. Négocier les prix quoi. Ah bah là ça va être gratuit, j'ai plus qu'à réparer votre véhicule. Oh, merde. C'est pas Marc. Ah merde, c'était Marc. Il a une crash. Ah non. Ah non, c'est bizarre, les gens qui... Ça fait deux fois qu'il y a une personne à proximité de moi qui crache. C'est toi qui fais ton crash. C'est peut-être moi qui fais crash. Hein. Par contre, on va faire le bon samaritain. On va stationner son véhicule.
Peut-être pas là. Parce que les véhicules normalement sont pas censés despawn, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant ils ont plutôt despawn. Ils ont plutôt despawn. On va se mettre ici. Ah, c'est marrant parce que maintenant on peut plus faire une marche arrière directe. T'as un blocage, il y a le temps de passer à la vitesse. Les voitures blanches sur la map, c'est les taxis. Ah bon? T'es sûr, Gitan? Merci beaucoup, Gitan. Merci à toi. Ah, du coup, je suis à perpète. Y'a quoi à côté? Rien du tout. Si, c'est quoi ça? Pas du tout ce que c'est. On va appeler un taxi, hein. Ah, pas de soucis, hein. T'inquiète. J'ai garé ton taxi à proximité. Ok, merci. Non, regarde une voiture là, blanche sur la map. Je comprends pas. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est le taxi. C'est peut-être. Du moment où je rentre dans un véhicule, ça le sauvegarde. Il n'y a pas le bus à côté. Non, il est à l'autre côté en fait de la rive. C'est encore plus loin. Et ça, c'est l'entreprise bus, c'est pire. C'est pire. Et j'irai plus vite à pied, les gars. Je crois que j'irai plus vite à pied. Putain. Un lutin. Un putain sur le trottoir comme ça. Un putain qui fait du stop. Oh là 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 là, c'est la honte. C'est la honte. Salut Mickaël. On va y aller à pied. Oh la honte. Attends, je. Chef pour tout le monde. À l'écoute. Je suis actuellement sans véhicule sur l'est de la ville. Vous êtes à proximité ou négatif? Négatif, on est vers l'aéroport et on est en train de dépanner un bus en pleine descente. Ah ok, reçu. Bon bah pas de soucis, je vais me débrouiller à pattes. Bon courage, gars. Appelle un taxi. Ouais, c'est déjà fait, mais apparemment ils sont pas nombreux. Ah. On va continuer notre patte, hein. Oh la honte. Bonne nuit, Panda Clash. Salut Xeno. Vol voiture. Non, je vole pas de voiture. C'est le bon coup pour se faire choper. Après, je vais te ficher. Dame pour Max. Allez, écoute. Excusez-moi. Ouais, je viens maintenant le plein du véhicule, hein. Ouais, du coup, tranquille. Ils font plein du véhicule. Ça va, Jérôme? Tu gères. Tu. Ça va. C'est pas trop la galère? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Ouah, putain. Oh, pardon. Oh. Désolé. Oh. J'en fous un coup. Pardon. Je suis désolé. Le coup de genou au sol, tu sais. Pour le finir. Salut les fous! Salut Domaine! T'as sauvegardé ton camion? Mais je l'avais fait tout à l'heure, je l'ai sauvegardé. Hein. Ah. C'était rouge pour moi, mais tant pis. Hein. Regarde-toi, Gan! Il y a une voiture blanche sur la map là. Ouais. Et c'est là-bas. Regarde. C'est pas un véhicule. C'est celle-là qui est passée, la blanche. Ah, fais chier, je peux pas prendre les appels. J'ai besoin d'une réparation. Heureusement que je reçois ma paye.
Ah tiens, il y a une banque là, on va y aller. On va la voir. Déposer un peu ta thune. Comment? Déposer un peu ta thune, t'as 5000. Ah t'as raison. T'as 5000 sur toi, mon gars. Ah ouais, t'as raison, j'ai pas pensé. Si tu meurs, mec, t'as plus de thune. Ah bah tu vois, on fait bien. Alors. C'est quoi balance? Solde du compte. Ah, j'ai déjà 5000$ sur le compte. Déjà, on va déposer. On va déposer 3000. On pourra même déposer encore 1000. Hein. Voilà, ça m'a laissé 1400. Accueil. C'est quoi balance? Solde. Ah, c'est mon. C'est mon solde en fait. Donc j'ai 9000$. Ouais, dame pour Max. Ouais, elle écoute. Ouais, y'a pas de bidon à la station étant, j'ai essayé de. La station okay. Service au plus au nord. Ouais. Ça y est. Ouais. Salut Rafi. Pourquoi tu me dis ça, Rafi? Recrute du personnel. Bah, normalement, il manque encore 2 salariés qui sont pas là ce soir. Donc y'a des soirs où on pourrait être 5. Même 6, 2, 3, 4, non 5 c'est ça. Il y a un magasin de vêtements, j'ai envie de changer de tenue. Elle est dégueulasse. Là aussi je vais aller voir les magasins. Voir les prix, par curiosité. Bonjour. Alors. Ah stylé le petit menu. Ouais stylé, par contre vous allez pas tous voir avec mon... Ah il y a la caméra. Ouais. Achat de tenue, achat de chapeau, achat de lunettes. Et en dessous, c'est s'habiller, changer de lunettes ou changer de chapeau. Rien de plus. Oh, on voit que les trucs achetés. Je dis ça, rien de plus, c'est pour ceux qui ne voient pas parce qu'il y a le ma petite gueule là, en fait. Achat sur vêtements. Ça a pas... ça a pas beaucoup changé là. Ouais. Et pourtant. Fais chier. C'est pas normal ça. Mais du coup, ça ressemble à ma tenue de boulot. Mais 500$ quand même, hein. Ouais. J'ai même pas assez de fric sur moi. Bâtard. Ouais, des tenues sympas, hein. Bon, allez, on va sortir d'ici parce que. Oh! Tu l'as acheté? Bah non. Bon, bah voilà, j'ai trouvé un bug. Faut pas que j'oublie de le noter. Ça c'est un peu emmerdant. Ça c'est un petit peu emmerdant. Du coup j'ai changé de tenue. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais faut que je continue à pied. Bah je suis juste à côté c'est bon. Faut que je prenne à gauche là. Je suis pas bien loin. On arrive. Bonne nuit Bouille. Bouli. Oui Bouli. Non, je peux pas voir la moto. Ouais. Ouais, c'est normal ton bug parce qu'en fait, quand t'es dans le magasin, du coup, ça se met en relation avec la base de données. Et quand tu sors, ça met ta tenue qui est enregistrée dans la base de données, c'est-à-dire la tenue que t'avais avant. Ah merde. Donc, c'est pas un bug. C'est logique. Et puis, je sais pas si c'est RP pendant son service d'aller faire un tour dans les magasins. Hein? Comme pour Max. Ouais, hein? Si. Ouais, pour la peine, vendredi, tu seras en tenue lutin. Peut-être que je changerai pour une tenue de bonhomme de neige. Je sais. non, s'il te plaît, non. Ouais. Non. Je bloque tout l'accès pour rentrer dans la station de service. Je peux pas y entrer. Putain. Ça m'a choqué, mec. D'ailleurs, c'est où que je dois aller? C'est dans le tunnel? Oh là là, c'est pas fait pour les pitons. Oh là 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 là. Peu con. Il y a Axel qui t'aide pas ouais, mal aussi. Pour Max, ouais, je peux pas rentrer, la police m'a interdit. Bonne nuit, Lolo. Ouais, donc je. Je vais essayer de trouver une station ou... Ce que tu peux faire sinon, on va prendre le poids lourd, on le ramène au dépôt ou sinon on lui dit de prendre le taxi, hein. Il se débrouille. Hein. Bah ouais écoute, là, enfin limite je suis pas trop loin, ouais je vais prendre le gros poids lourd. Les gars, je reviens.
Les gars, je suis au dépôt, enfin l'entreprise, si vous avez besoin. Ouais, je veux bien. Le ouais. PL, là, il faudrait le PL, là. Ok, donnez-moi votre... Ah, je sais pas vos numéros, c'est con, on aurait pu... Ah, ouais, faut qu'on se les donne. Mais sinon, je vais faire un appel. Dès que t'es prêt, tu me dis, je te fais un appel. Ok, bien reçu, je vous rappelle sur la radio. Ok, bah moi, je redescends vers le sud. Pour stopper votre service. On va se stopper. On va le reprendre. Voilà, comme ça, je vais tenir. Ok, j'ai ma tenue de lutin. Ah, putain. Non, je veux pas du tout faire ça. On va l'arranger là. Ah, j'ai un réflexe, c'est de pas fermer les portes. Voilà, on va prendre des panneaux SPL. Terminé. Mat pour Max. Oui, à l'écoute. Ouais, du coup, disponible, dis-moi où je dois intervenir. Ok, je te fais l'appel. Tu me confirmes, c'est sur Autopia... Confirme. À l'ouest de la Melsbank, hein, juste à côté. Je confirme. Tout en bas, ouais, ouais. Ok, c'est bien reçu, j'arrive. 10-4. Oh, ça flash. Là, pour le coup, je sais pas si je mets les gyros. Oh, si je vais les mettre, tiens. Oh, c'est un gros véhicule, il faut bien signaler, non? Non, ça flash trop. Mais tu sais quoi, là, je vais sauver... Ah, merde, c'est vert. Au prochain feu rouge, faut que je sauvegarde le véhicule au cas où. Ah, mais j'ai l'impression que ça sauvegarde tout seul parce que il le met là sur la map. Mmh. Ouais, c'est bizarre. Il y a combien de nouveaux véhicules en termes de. En chez MZ Garage, on a 3. Sur le serveur, je pourrais pas te dire. Oh, par contre, j'ai un klaxon. Oh, j'ai un klaxon d'enfant là sur un gros camion, ça fait bizarre. Hein. C'est moche. Oh, c'est vert. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est vert sur tout le long. Sauf là. Il est bien stylé ce camion aussi, hein. Comme ça de garage. Avec mon nom dessus. Mon numéro. Oh, c'est beau, c'est trop trop beau. Ça fait plaisir ça. Ouh, pardon. Je mets les gyros parce que je suis en intervention. Je suis pas en intervention là. Je pars sur une intervention mais je... Faut que je mette les gyros une fois sur intervention et pas pendant, pas sur le chemin. Il a de la patate, hein. Il a du coup le véhicule. Hein. Ça a combien de bornes, hein, 1,5 km. Ça passe, ça passe. Faut que j'aille à droite. Alors toi tu t'arrêtes ou... Bonjour. Simat. Mais on met les gyrophares qu'on intervient ou pas? Normalement c'est que je parle d'intervention. Pour signaler ta présence en intervention, c'est tout. Ouais, c'est... C'est pour entre guillemets le balisage, quoi. C'est juste pour une aide au balisage. Normalement, t'es pas censé... Enfin, t'es pas prioritaire dans tous les cas, donc t'as pas à mettre tes gyros. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Je viens de voir, mettre ton gilet, c'est pas con. Je vais mettre le gilet après.
Là, il faudrait que je le dise à mes gars de mettre le gilet. Putain, il avance pas l'autre devant. Tiens, il y a l'autre école. Oh là là, il va bloquer tout le carrefour. Merci. Oh, puis il s'arrête. Oh, le mec est énervant. Parce que j'ai mis des giros. C'est pas possible. Max pour Matt, inverse. Ouais, transmet. Du coup, il y a Dominique qui repasse me chercher. Je te laisse gérer l'intervention. Ouais, pas de soucis, j'arrive sur zone en 5 secondes. Ouais, par contre, j'ai dit au monsieur, on facturera pas le dépannage parce qu'on n'a pas de bidon de la voiture, c'est un peu notre faute aussi. Hein. Ah, d'accord, reçu. Et tu fais un petit truc. Oula. Bonjour monsieur. Bien le bonjour hein. Du coup vos collègues vous ont mis au courant non? Ouais, je suis au courant de tout, vous inquiétez pas. Je gère. Cependant le bus on le met où monsieur? On va le ramener au dépôt. Faut le ramener au dépôt, d'accord. C'est quoi c'est. Alors on m'a mis au courant, c'est bien une panne d'essence hein, c'est ça? Ah, j'ai un problème de gorge? Ah ouais, là c'est bon. Du coup, je vais prendre charge de votre véhicule. Je ferai pas de facture parce qu'on a eu des petits soucis. C'est un peu notre faute. Je vais juste prendre un petit. J'ai pas pris mon repas du midi en fait, monsieur. Je vais juste prendre mon sandwich vite fait et je m'occupe de votre véhicule. Ouais, merci. Ça enlève l'intervention. Voilà, sinon je mange un coup là. Parce que je boive. Bouteille d'eau. Utiliser. Ah merde, j'ai pu manger en même temps. Ah mais attends, c'était comment comment on mettait le. C'est dans action. Hein. Dans le dépanneur. En dessous du dépanneur. Hein? Dans le menu dépanneur. Non, pour mettre son gilet. Ouais, c'était pas dans le menu dépanneur. T'es sûr? Ah merde, c'est dans quoi? On l'a vu tout à l'heure. Voilà. Matt, pour tous, n'hésitez pas à mettre vos gilets jaunes hein, quand vous êtes sur intervention. Ouais, bien reçu, chef. Alors, on va regarder tout ça. Est-ce que j'ai de la place pour manœuvrer? Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Ah, moi j'ai confiance en vous. De toute façon, il y a que vous qui pouvez m'aider. Exactement, mais vous inquiétez pas, j'ai confiance en moi. Allez, j'arrive. Par contre, restez sur le trottoir, vous ne mettez pas en danger. Hein. Ouais, attendez, je vais même mettre le gilet. Ah bah si vous l'avez, c'est parfait. Et voilà, c'est magique. C'est quoi la base de ton serve? C'est pas mon serveur, moi je suis juste simple joueur. Oh non, me fais pas le coup. Je peux plus monter dedans. Non. Oh non. Oh merde. Non. Tu vas pas me faire ça maintenant. Oh non, vas-y. Non. Chef, enfin Matt pour tous. Je n'arrive plus à rentrer dans mon véhicule.
Ah comment, t'arrives pas à rentrer du tout, du tout? Ah négatif, impossible de rentrer dedans. Crochette la serrure. Ah bien vu, je vais essayer ça. Et ah. Quand tu veux rentrer dans le véhicule, mets-toi bien au fond. Quand je vais faire quoi? Quand je veux rentrer dans le véhicule? Pardon? Rappelle ce que tu as dit juste avant, j'ai pas compris. Mets-toi à l'arrière du véhicule pour rentrer dans le véhicule. Recule un peu. Ça marche ou pas? Non, attends, je vais essayer de crocheter. Au fond, je comprends pas. Oh, c'est dommage ça. Je vais juste crocheter mon véhicule. C'est con ça. Mon dépanneur. Crocheter la serrure. Pas discret. Ah bah. Excusez-moi. Il est au client, il est où? Je suis en train de voler mon propre véhicule. Oh merde. Il est où le client d'ailleurs? Je sais pas. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Ah, il est là-bas. Il a mis son gilet. Ah, avec l'ouvert. Assez con. Steve Walker. Merci Steve. Ouais, je me fous la honte. Merci à toi. Affirmatif, les gars, merci pour le crochetage, ça marche. Comment j'ai fait? C'est. T'as peut-être fermé les portes et sorti? T'as appuyé pour fermer la porte? Ah, peut-être bien que j'ai bloqué la porte, ouais. T'as fait un petit misclick et. Ah, je sens que la voiture va me bloquer. Voilà! Ah! Mais, bah, t'as qu'à mettre des cônes, une barrière. Attends, je vais faire ça correctement. Laisser passer les véhicules. Ça, ça bloque un circuit au fond et tu pourras faire ton truc tranquille. Oh, c'est un bordel. Alors, F7. Menu dépanneur. Objet. Barrière. On va mettre un cône. Max pour Max. Ouais, transmet. C'est bon, tu t'en sors? Ouais, affirmatif, parfait, là. Merci beaucoup. Sans bon steak. Bon. Il manque par derrière, en fait. Ah ouais, moi il se décale. Mais pourquoi je suis au milieu? Attends, attends. Il passe par l'autre côté, mais j'ai peur qu'il se mette au milieu. Ah, c'est bon, il va rentrer. Ah, c'est bon. Oh, mes barrières! Oh là 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 là, c'est. Ah ouais, c'est bon, il fait la circulation. C'est le client qui fait circulation. Oh, c'est pas possible. Oh, il s'est vraiment mis. On met au pire endroit. Merci hein, monsieur de faire la circulation. Oh là là, je sais jamais. Je sais pas le jeu. T'as pas une touche pour la première hein? Non. Ah merde, portière fermée. Je crois que je suis trop sur la gauche. Normalement ça s'accroche tout seul là. Je sais plus. Attends. À
rattache. Non, ça c'est pour le plateau, ça. Ouais. Oh merde! Pourquoi ça marche pas? Est-ce qu'on peut faire ça avec des. À l'écoute. Ouais, est-ce que vous êtes libre ou pas du tout? Je suis là, Dom. Il faut que j'aille reprendre mon service. Ouais, est-ce que véhicule. Plus de véhicule, hein. Ah! Ah putain, moi je vais avoir du mal. Hein. Ah, le pauvre monsieur qui veut faire son. Qui est en train de faire son. De conduire son bus là. Ah, c'est une horreur, j'arrive pas du tout. Ah, prends par le cul! Putain, mais j'ai l'impression que je suis obligé de vous lire pour comprendre. Pour plutôt pour jouer. C'est pas con ce que tu dis. Je suis vraiment nul, hein, c'est pas possible. Allez, passez, messieurs, dames. C'est une très bonne idée de prendre par les fesses. Ça change. Sérieux. J'ai rien dit. Oh là là là. Tu crois que ça va marcher? Ça accroche rien du tout, hein. Bizarre ça. Un bus on peut peut-être pas, hein. Je sais pas du tout. Bon. Attends, Max. Ah, attendez, j'ai un petit appel radio. Et alors ouais, transmettez. L'instant. Ah, négatif, rien y faire. Un crochetage par l'avant, par l'arrière, j'arrive pas du tout avec le bus. En principe, ça marche. Hein. Ah, merde. Ça marche pas, j'arrive pas du tout, les gars. Je. Ouais, je. J'arrive pas du tout, monsieur. Je sais pas quoi faire. Non, non, le menu est attaché, mais c'est pour le plateau. C'est pas pour du crochetage. C'est pour retourner travailler, non ? Et bah. Y'a possibilité d'appeler un taxi, monsieur ? Ah, bah, je vais appeler un taxi, du coup. Y'a pas de souci, après, c'est surtout pour le bus, quoi. Bah ouais, je sais pas quoi vous dire. Je verrai avec le maire, hein, je crois. Ouais, prévenez quand même votre entreprise pour le bus, mais là je suis dans la capacité de le déplacer là actuellement. Ouais, je vais faire ça. Bah, merci en tout cas. Bah désolé encore, monsieur. Bon, je rapidifie l'action. Mais attendez, je vais quand même vous donner un petit quelque chose. Non, me donnez rien, monsieur, si vous devez en plus à payer le taxi. Oui, c'est on n'est pas compétent là pour le coup, on n'arrive pas du tout, on a un petit souci. Me donnez rien, monsieur. Je vous rappellerai quand même, vous inquiétez pas. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bah, désolé encore. Ah, pas de soucis, bonne journée à vous. Merci à vous, monsieur. Enfin, merci à vous surtout. Oh. T'as faut que je ramasse mes cônes aussi, moi. Un véhicule là-bas abandonné. Action métier. Max pour Dom. C'est pas là-dedans. Il était pas là. Dom pour Max. Ouais. Transmet. C'est j'appelais Dom. Ah, il répond pas apparemment. Ouais, c'est 4. Ouais. Oui, Max. Ouais, tu peux me dire où tu es exactement, la rue, s'il te plaît. Je suis sur Atas. Ouais, Atta Street devant le. J'ai pas une barrière aussi. Le carrière Sauter. J'arrive. Il y a vraiment plus d'essence dans son véhicule. Ah ouais, il y a nada. Vraiment de chez nada, de chez nada.
Ah, c'est chiant ça. Ça fonctionne pas. Gros bug, écran noir ? Non. Pas du tout. En plus, les gars, on a la rediff à côté de nous avec un PC, un PC de jam. Et... Rien du tout. Même le son, j'ai le son dans les oreilles, donc rien du tout. On n'a pas de bug. Ici, on est en train de troll, mais avec les touches F13, Alt F4. Ils sont cons. Mais c'est bizarre ! Il entend mal, j'ai dit monte le son. Mais je monte le son ? Non, non, c'est toi, apparemment, qui entend pas. Ah. En fait, tu me trolls. Ça te troll, mec, depuis tout à l'heure. Putain, bande de salaud. Là, je suis emmerdé quand même pour le véhicule. C'est quoi, je vais demander au client. Avec son petit gilet jaune. Monsieur ? Monsieur ? Oui, oui, pardon, excusez-moi, j'étais dans mon téléphone. J'étais en train de me dire, je peux vous déposer à votre boulot, hein, si vous voulez. Ah ben j'avais un taxi qui arrivait là, j'avais un ami qui était taxi qui arrivait tout de suite là. Ah bah je suis désolé de pas vouloir proposer avant en fait. Ouais, non mais y a pas de souci, vous inquiétez pas, je comprends, vous avez du boulot, vous inquiétez pas. Non mais je pouvais vous déposer là, j'ai pas de boulot justement, donc j'aurais pu vous déposer. Oh ben c'est bon, il arrive, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Bonne cotisation monsieur, au revoir. Bonne journée. C'est con, j'ai pas pensé. Hop. Flèche de toute droite de Taman. Ah, il a peut-être raison. Bah oui, il me semble qu'il y a une touche moi pour Non, flèche de droite, normalement, c'est pour détacher. C'est pas pour... Je vais réessayer à l'avant. Non, vite fait. Alors qu'une voiture me fasse chier. Ou un camion d'ailleurs. Ouais. Rien n'y fait. Hein. J'ai rien nada. Oh merde. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Mon véhicule est en panne. Panne détectée, rien de... Non mais c'est une blague. Oh le con, le pour un dépanneur quoi. Oh non mais c'est... Je me suis pris le lampadaire. Oh non mais... C'est pas grave. Tu peux le réparer quoi, de toute façon. On va réparer. Heureusement d'ailleurs. Aïe 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 aïe. Putain, je suis vraiment dépanneur Lacoste. Lacoste. Lacoste, non. Je suis vraiment dépanneur Lacoste. Voilà. D'ailleurs. Non mais en cassant le poteau électrique, j'ai. Bah c'est ce qu'il disait tout à l'heure, hein. Il manque plus que j'ai plus d'essence en fait. Ah putain, j'ai eu peur. J'essaie de regarder si je peux pas regarder qu'il n'y ait pas une petite goutte d'huile au cas où. Enfin une petite goutte d'essence plutôt. La honte, mais oui.
Ouais, répare le bus. Justement, j'étais en train d'essayer. On va voir ce que ça donne. Qui sait, peut-être que ça va faire quelque chose. Non. Putain, nada. Nada de chez nada. Il est toujours pas là, votre ami? Non, non, il est sur la route, là. Il vient de m'envoyer un SMS. Il récupérait son nouveau véhicule et il arrive. Il regarde sa bouteille. Ok, très bien. Allez, pour cette fois-ci. Ouais, cette fois-ci, au revoir. Bon courage. Oh, ça me fait chier de le laisser comme ça. Matt, après, tu vas sur Discord. Certainement, Benjamin. Essaye sur la voiture abandonnée. Ouais, je vais essayer. Attends, on peut pas passer par là, plutôt. Des fois, il passe par la gauche, des fois, il passe par la droite. Il se fait un kiff, en fait. Il se met dans la couchette. Hein? Il se met dans la couchette? Ouais. Max, ton mat. Ouais, transmet. Regarde dans ton inventaire, on a un bidon, en fait, hein. Enfin, dans... à côté de... ton coup de poing. Attends, répète où c'est, j'ai pas... Je comprends pas. Ouais, j'ai pas compris, Max. Où ça dans l'inventaire? Il est où? Ouais, c'est pas dans l'inventaire, Matt. C'est HRP dans les armes. Ah, merci à toi. L4. Yes! Ah, mais depuis le début, on avait ça en fait. Je vais niquer quelque chose là. Là, je vais niquer quelque chose. Non, mais j'en ai ras le bol. Oh, c'est trop bon. Oh, on est sauvé. Putain, mais c'est pas possible. Oh, bah, bah, cette fois, j'ai plus rien, quoi. Oh là 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 là. Au moins j'ai un extincteur et une lampe torche. Putain, j'étais à ça de faire le plein du véhicule. Non, puis j'arrive plus à monter dans celui-là. Hashtag bolos. Hashtag bolos. Ah, mais je n'aurai le bol là. Et puis ce véhicule il commence à me péter les. Un de ces quatre il va monter sur le toit, on va rien comprendre. Oh putain, j'en peux plus. On en parle ou pas du dépanneur du dimanche. Quand je vous dis que je découvre le jeu, c'est pas pour rien. C'est réel. Ah, c'est bon, il va monter là. Il va monter dedans. Ah, pilote, il a toujours pas son pote qui arrive là. Ah, j'étais à deux doigts de faire le plein. Ah, ça me pète. Et puis là, ça fonctionne. Oh là 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 là. Oh, ça monte vachement haut. Ouais. Attends, peut-être baisser un peu. C'est bizarre, c'est le bus qui doit pas prendre en compte. Ouais, j'ai un souci avec le bus. Et je vais peut-être faire le plein, moi. Ça paraît con, mais... Il faut que je le mette à la fourrière, en plus, le véhicule, là. Ça va être marrant. Le plein? C'est ici? C'est la raffinerie ici? Ah, c'est pas du tout une station service en fait. Non, c'est la raffinerie. Raffinerie? Merde! Oh, c'est encore pire que prévu. Mais c'est de garage, mais c'est de garage. Alors. Mon dieu, c'était une sacrée histoire. Pff, je me suis foutu la honte. La voiture, je pourrais pas la vendre parce que c'est pas, elle appartient pas à un joueur. Sinon, je me ferais trop de fric. Rip. Ah oui, gros rip là.
pour le coup. Oh merde, qu'est-ce que je fais? Bon bah tiens, moi je suis lancé. Oh non. Oh là là, oh bah alors, là, c'est le comble mon gars, c'est le comble. Ah c'est pas plus grave, c'est pas plus mal. Pas besoin de rager. Oh, je savais pas que il y avait un petit logo pour les sponsors. Pour les sponsors. Ah, c'est cool ça. Bon, du coup, j'ai crash en fait pour tout vous dire. Le mec, ça... en fait, en moins de pour un petit moment de 10 minutes, je crois que j'ai une grosse vie de merde en fait. Tout ce qui se passait était de la merde. J'ai pas de balle. On va relancer ça. Je vais relancer ça et puis j'espère que j'aurai un peu plus de chance. Ah non mais j'y crois pas quoi. Rip. Aïe 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 aïe. Ah il est déjà pas 3h40 déjà ouais. Vous savez quoi, je sais même pas si je vais relancer en fait. Il est déjà tard. Hein. Je vais peut-être pas lancer. Je vais peut-être pas relancer. Toi, tu vois. Comme ça, on fera la suite. Je laisse du suspense. D'habitude, je finis vers minuit, donc on n'est pas si mal. Je vais, on se revoit de toute façon vendredi prochain, les copains. Vendredi prochain, on continue tout ça, on continue les découvertes. Aïe 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 aïe. Rip, allez, gros rip, gros rip. Ah bah du coup, on va profiter de ce crash qui tombe à pic. Pratiquement à minuit, ouais, minuit moins 15. Achète une i8. Oulala, là là, il me faut du fric pour acheter des i8, hein, ça choue. Non, du coup, Dorian, je vais continuer le vendredi prochain. Comme ça, ça fera un petit peu plus de hype. Et puis voilà, ce sera mieux. Mais oui, ah non. Et au moins, et je vous préserve de votre nuit. Là, si vous allez vous coucher tout de suite, demain matin, vous allez vous réveiller vers 9h. Ça va. Vous serez en forme au moins demain. Et vous serez motivé pour vendredi. Il y a Pizzagonise, oui, il y a Pizzagonise. Alex, par contre, je suis pas sûr qu'il y avait des joueurs Pizzagonise ce soir sur le serveur. Mmh. Il me semble pas. En tout cas, j'ai une société de. Il y a une société de concurrente à la mienne, ouais. J'ai prévenu un méga, par contre. Attendez, bougez pas. Après, on ira certainement sur Discord, justement. Vu qu'on vient de finir un peu plus tôt, on ira sur Discord. Math pour tous. Ouais, sur écoute. Ouais, pour information, je viens de. Comment je pourrais dire je viens de finir mon service. Ah, d'accord. Ouais, j'ai eu un petit souci. Plusieurs soucis, puis ça tombait à pic. Du coup, je vais rentrer à la maison, voir ma femme et mes enfants. Ça marche, pas de soucis. On se voit demain ? Oui. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis. Allez, soyez là à l'heure et en forme, hein, messieurs. Ça marche, pas de problème. Bonne soirée. Ouais, merci à vous aussi. Bisous. Aïe, aïe, aïe. Après un putain de crash, tu ne peux pas nous faire ça. Ah oh, si, je peux le faire. Et... je suis un putain de sadique. Ah, j'adore ça. J'ai un problème de cerveau. Rediffusion du live prévu. Oui, oui, dès qu'il est dispo, dès que le traitement est terminé, je le fous en ligne. Il sera dispo pour demain matin, de toute façon. Vipère. Demain à 7h, putain. Bon courage, Jedan. Hein. Du coup, toi, je viens de te sauver la vie. Demain, tu seras en forme. Aïe, aïe, aïe. Merci, Axel, pour avoir passé Discord. Du coup, on va aller sur Discord un petit coup. On va aller sur Discord un petit coup. Discord. Vous êtes encore nombreux. Et n'empêche, vous étiez vachement nombreux ce soir. On est monté à combien ? 2100 ou 2002, je crois. Sérieux ? En pic, ouais. Oh, bah, fallait me dire, j'ai rien vu. 2002. Oh, je suis choqué, j'ai rien vu. Du coup, venez sur Discord, les copains, si vous voulez. Madame Thomas. Elle va jouer, Madame Thomas.
Ah, je sais pas si c'est assez elle sera flic, Madame Thomas. On verra bien, on verra bien. Du coup, les amis, je vous retrouve. On se retrouve tout de suite sur Discord si vous êtes chaud. Le lien vient d'être partagé par Axel. J'ai dit Axel? Oui, Axel. Et. Dom pour Max. Et. Sur écoute. Oui, on redit live. Ouais, j'ai crash, ouais. Ouais, Discord. Demain 6h. Putain, bon courage. Du coup. On sort tout de suite sur Discord, où je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver. Merci encore à tous d'avoir été aussi nombreux. Merci aux donateurs. Merci de kiffer ce qu'on fait. Parce que nous, on kiffe aussi. Et à vendredi prochain, 21h comme d'habitude. Bisous les amis. Tout de suite sur Discord, je le répète, je suis désolé. Et puis, passez une très bonne nuit. Encore merci. Je coupe le live. Hein. Attention, ciao. Je vous préviens. C'est un spectacle ce Jérémy, c'est un spectacle. Putain. Allez bisous les amis, ciao, bye, bonne nuit et bon courage pour demain. Bonne fête si on se revoit pas. Allez bisous.